Comme ça, voilà, c'est ça. Du micro là. Il n'y a pas de micro là. Pourquoi il n'y a pas de micro? Cheval qui se prénomme Custom Cheval. Custom Cheval qui a couru hein, le championnat européen des 3 ans sur l'hippodrome de Vincennes en se classant quatrième. Quatrième d'ailleurs. Et ce jour-là, il y avait Anna Desmolles. Donc ça vous met un petit peu le niveau de Custom Cheval. Alors c'est vrai que Dan Mulgaert a été battu, mais il n'a pas non plus fini à 100 mètres. Donc on peut se méfier de ce numéro 3, donc Dan Mulgaert, qui est pour l'instant l'actuel favori. Alors qu'on voit ici à l'image le numéro 2, Xitalavec, qui sera déféré des 4 pieds. Dan Mulgaert sera déféré des postérieurs. Le français qui sera déféré des antérieurs, voilà pour les ferrures. Vous savez qu'en Norvège, les ferrures ne sont communiquées qu'une heure avant la course. Alors, on regarde les échauffements. Possibilité pour ceux qui le souhaiteraient hein, de jouer au Super 4 dans cette première course, puisque nous avons 7 partants finalement. Est-ce qu'il y a déjà quelques points d'appui qui vous semblent évidents, Cédric, le malgré numéro tout 3 dont on vient de parler, hein, qui sera drivé par Eric Hoynt-Homt, qui est l'un des top drivers. Alors à Jarlsberg, hein, il y a beaucoup de top drivers. C'est un hippodrome où les professionnels sont stationnés, et notamment des drivers de renom. Donc on peut faire confiance à Eric Hoynt-Homt, qui a été dépossédé hein, du classement général
cette année, mais attention, hein, c'est un driver qui est toujours redoutable, donc il faudra s'en méfier. Hein, l'année passée, c'était Frode Hamreux qui avait fini tête de liste, mais Eric Compton était tête de liste en 2019 avec 38 succès ici. On a vu le 2, on va en parler, Laurence Exitalavec, c'est une jument de 7 ans, une fille de Prodigious, qui est entraînée et drivée par Olaf Mikkelborg, hein, l'homme de Blue Fighter, ça ne nous rajeunit pas. Exitalavec qui adore le parcours de vitesse, donc elle sera vraiment sur un parcours qu'elle apprécie, hein. Elle a remporté 8 courses dans sa carrière et 4 étaient sur une distance de 1600 mètres ou de 1700 mètres, elle a beaucoup de vitesse. Dernièrement elle s'est classée 7e dans l'eau qui était relevée, donc il faut absolument, je pense, la racheter, et le numéro 2 fera partie de mes bases, alors qu'on voit ici un très bel échauffement de Dan Mulgaard. Oui, il a l'air pas mal le favori, hein. On le voit, oui. Correct. Autre. 3 et 2, je pense que c'est bien. Et c'est bien également le numéro 5, c'est Nugilbach. C'est Nugilbach qui est drivé par Pergolev Mittfeld, hein, l'homme de Steinlager, qui avait remporté l'Elite Lop et le Grand Prix d'Oslo en 2005. C'est Nugilbach qui vient de faire une rentrée gagnante après un an d'absence. Il est invaincu sur le parcours des 1609 mètres, pas de Jarlsberg, mais sur la distance, pardon. Il avait remporté notamment une victoire à Birke l'an passé, en 2019, pardon. C'est un concurrent donc qui a été longtemps absent et qui vient de marquer donc un net regain de forme et qui vient de marquer les esprits pour son retour à la compétition. Et d'ailleurs, son driver est très confiant, hein, pour bien faire. Ici, le 7, c'est Fougueux. Alors, un changement de drive, puisque c'est Bjørn Tangsereid qui sera au sulky à la place de Hans Christian Holm. Bjørn Tangsereid qui fait partie également des très bons drivers, lui l'homme de Sandefjord. Alors Sandefjord, hein, c'est une ville en Norvège qui n'a pas très bonne réputation, puisque elle abrite beaucoup de baleiniers et c'est pas non plus ce qu'on aime, hein, dans la vie de 2020 maintenant, hein, Laurent. Alors, il y avait une question que je voulais vous poser. J'ai noté pour cette ville dont vous parliez. Pour revenir au jeu à faire dans cette course, donc vous nous avez dit 3-2-5, c'est pas mal. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait prendre le 3, le 2, le 5 dans cet ordre-là en base Super 4 avec les autres? Ce qui fait que pour potentiellement 4 euros, on aurait 4 Super 4, on aurait 3-2-5 avec le 1, avec le 6, avec le 7 et avec le 4. Oui, je pense que ces trois-là peuvent lutter pour le podium. Après, on va dire un petit mot de Aïda Mahé. Aïda Mahé qui a été déclarée non partante le 12 avril dernier, qui s'est montrée fautive dernièrement sur l'hippodrome de Biéry. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, à se mettre sous la dent. Alors aujourd'hui, elle redescend un petit peu de catégorie par rapport à ses performances de l'hiver. Mais voilà, elle cherche un petit peu sa forme de l'année passée, cette Aïda Mahé qui aura néanmoins un bon numéro derrière l'autostart. Pour le numéro 4, Gisti Superstar, hein, il a 11 ans désormais, il est bien battu, il n'a pas gagné depuis 2017. Palmarès de ce concurrent, les derniers mois, il y a une pauvre troisième place sur l'hippodrome de Klostersgogen. Sinon, il n'y a quand même pas grand-chose et le chrono n'était quand même pas terrible. Et pour MK Spirit, là non plus, hein, les dernières sorties ne sont pas emballantes. Maintenant, c'est un concurrent, un vieux cheval qui apprécie les courtes distances. Maintenant, ça me paraît quand même compliqué. Et pour le numéro 7, Fougueux, c'est un concurrent qui excelle au trot monté, un ancien protégé de Bjørn Gulbrandsen, qui a commencé sa carrière en France, qui a des très bonnes sorties montées, qui aime bien l'hippodrome de Jarlsberg, qui est sérieux et qui peut faire l'arrivée. Maintenant, ce numéro 7, c'est quand même un handicap, hein, sur ce parcours du mile. Allez, bientôt le départ, hein, parcours rapide, donc vous l'avez dit, on va suivre de près ceux que vous nous avez cités en priorité, puis donc on a le sentiment, au vu de ce que vous avez pu évoquer depuis tout à l'heure, qu'on a un favori qui semble tenir la route, hein, dans cette épreuve, donc on va lui faire confiance à ce numéro 3, et la voiture démarre. Ouais. Eric Compton, c'est plus de 5200 succès. Pas mal. Ah ben, y a impressionnant. Pire. Non, mais c'est même plus que pas mal, vous avez raison. Allez, ici JC Superstar, le vétéran. Il a 11 ans. La voiture qui va accélérer, qui va libérer les concurrents dans la ligne opposée. Notez la drive de Renate Erli. Hein.
qu'elle entraîne également, elle qui entraîne sur la piste de Drammen. Allez, cette concurrent, le 8 a été déclaré non partant. Le favori, casaque blanche, manche marron. Eric Antoine, d'ailleurs, les drivers qui gardent leur casaque. C'est plus facile pour les repérer. Allez, départ imminent. La voiture qui accélère, le favori qui part en léger retrait, tout comme le numéro 7, Fougueux, qui assure ses premiers mètres pendant ce temps-là. Xital avec, hein, qui adore les parcours de vitesse, est très bien parti. Ce numéro 2, Xital avec, hein, mais qui se trompe. Xital avec, elle est partie tellement vite qu'Olaf Mikkelborg, là, ne peut la remettre. Et du coup, elle va laisser ses adversaires en découdre. Avec donc le numéro 5, c'est nous, Gilbach, qui a pris le bon départ, tout comme GC Superstar. La troisième position pour le numéro 1, qui est Aïda Maé. Un petit peu plus loin, on retrouve le 6, SMK Spirit. Et ces quatre-là, devant encore le favori Dan Mulgerd qui est là en sixième position et à distance. Le numéro 7, Fougueux, qui est pour l'instant à l'arrière, disqualification d'un des favoris, l'une des favoris de Xital avec. Il reste un tour de piste à parcourir avec le numéro 5, c'est Nougilbach qui a pris le meilleur. Dans son sillage, numéro 4, GC Superstar, alors que le néo-vent progresse, le numéro 6, SMK Spirit. Et tout 3 devant encore Aïda Maé, drivé par Vidarop, avec à l'extérieur le numéro 3, Dan Mulgerd. Et pour l'instant, toujours en dernière position, le trotteur français, le numéro 7, Fougueux. Il fait ce qu'il veut, hein, devant Per Oleg Milfeld, là avec le numéro 5, c'est Nougilbach, qui mène facilement. En deuxième position, SMK Spirit, que va faire Eric Omtoint. Il est pour l'instant quatrième, à 2 au carré, avec à son intérieur le numéro 4, GC Superstar. Pour l'instant, l'arrière-garde, toujours Aïda Maé et le numéro 7, Fougueux. Bientôt le bout de la ligne opposée, avec c'est Nougilbach qui va voir arriver maintenant le favori Dan Mulgerd, qui progresse vivement. Le numéro 6, SMK Spirit, tente de s'accrocher. Ces trois-là devant encore le numéro 4, GC Superstar, qui ne peut suivre la comparaison. Derrière, Aïda Maé est loin et Fougueux a du mal à enclencher un match à deux certainement avec Sénénoubac et surtout Dan Mulgerd qui vient assez facilement. Le 5, Sénénoubac à la corde avec à l'extérieur le numéro 3, Dan Mulgerd, et ces deux-là qui vont lutter devant SMK Spirit qui est courageux avec Dan Mulgerd maintenant qui tente de prendre le meilleur sur Sénénoubac qui se défend bien avec le numéro 3, Dan Mulgerd. Sénénoubac à la lutte pour le succès. Sénénoubac, Dan Mulgerd tout à la fin aux abords du poteau qui prend l'avantage. La deuxième place pour le numéro 5, la troisième en retrait arrachée par le numéro 7, Fougueux, au dépens du numéro 6, SMK Spirit. Belle victoire du favori, hein, Dan Mulgerd, qui gagne avec autorité. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de distance à l'arrivée entre lui et son dauphin, mais c'était assez sûr quand même. Le 5, en effet, donc les deuxièmes, 3-5. Ensuite, vous avez dit le 7, hein, troisième. Oui, Fougueux, c'est Björn Tinsgaret qui est venu avec Fougueux bien finir devant le courageux SMK Spirit. Hein, trois favoris aux trois premières places, on regrettera la faute de Xital avec en début de parcours. Et c'est du coup le 6 qui vient compléter le Super 4. On revoit la phase finale de face avec Sénénoubac, hein, qui a animé l'épreuve, qui a tenté de repartir, mais le numéro 3 était plus fort. Hein. Aujourd'hui, Dan Mulgerd s'impose avec une certaine autorité. Le troisième est très loin, Fougueux, qui est quand même sérieux, qui prend une bonne troisième place, 3, 5, 7 et 6. Voilà le Super 4 qu'il fallait jouer pour cette première sur l'hippodrome norvégien de Jarlsberg. Voilà, merci Cédric, à tout à l'heure. Et puis bah nous, on va faire une petite pause très rapide avant de retrouver Nantes une nouvelle fois pour la deuxième course. Parier, respirer. Parier, respirer. Pensez à faire des pauses entre vos paris. Jouons responsable. Allez, nous sommes de retour, toujours dans le grand direct Nantes, une deuxième course dans quelques instants. Olivier a pas mal commencé, il nous a donné le trio de la première. Alors, place à la deuxième, Olivier, c'est un handicap. Oui, on va chercher le trio également avec cette combinaison de 5 concurrents en flexi 50, avec le numéro 1 Canelo, dont les deux premières sorties de l'année sont bonnes. Le numéro 2, Milord de Barrel, qui ne cesse de bien faire, dont les limites sont inconnues, mais qui a été fortement pénalisé. Le numéro 4, Vancouver du Garde, c'est une chance tout à fait logique. Le 9 également, Vatoyo, beaucoup d'argent. Et puis un petit outsider avec Dreamer Star. J'en ai fait d'ailleurs mon pari offensif. C'est un cheval bon, qui a beaucoup d'expérience. Il a 8 ans désormais. Et il a souvent bien couru à Nantes. Il avait peut-être besoin, l'autre jour, c'était une deuxième course de rentrée. Il avait peut-être besoin de ça. Voilà, je le rachète pour essayer de brouiller les pistes, pour essayer de toucher une cote. Bah, c'est amusant. Il y a une cote de 11 euros. Oui. 11 euros pour le 11.
Hein, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un positif. Il faut voir des signes partout. Voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on retrouve tout de suite Vincent et Stéphane. Et oui, pour ce rendez-vous classique à Nantes, le prix marathon, un prix marathon qui, comme son indique, s'adresse à des chevaux de tenue. La distance est vraiment très longue, 3700 mètres à couvrir. Gepetto, le numéro 5, n'est pas au départ de la course et c'est le numéro 2, Milord de Barrel, qui est le favori. Favori assez net, hein, 2,90 €, c'est une cote très basse pour ce handicap. Un cheval qui vient de s'imposer ici même à Nantes. On va regarder ensemble cette course de référence. Il a gagné vraiment nettement. Le cheval avait patienté longtemps et il était revenu sur les premiers en quelques mètres et il avait commencé à se rapprocher dans le tournant final. Et vous allez voir que pour finir, il va s'imposer très nettement. Il y avait 4 longueurs entre lui et Net et du coup, la pénalisation a été aussi très nette et importante. Hein, 4 kilos de pénalisation pour Milord de Barrel. Mais l'aptitude est avérée à cette piste de Nantes et on sait que la forme et l'aptitude sont vraiment des éléments très importants pour bien faire ici. Donc une confirmation malgré une pénalisation semble tout à fait possible. Et on va en savoir plus d'ailleurs sur le grand favori avec vous, Stéphane. Oui, il est toujours aussi bien. C'est ce que m'a dit la personne qui tient le cheval, Milord de Barrel. Souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de ce cheval juste avant sa victoire ici même à Nantes, Serge Fouché nous avait donné l'information comme quoi beaucoup pensaient qu'il fallait le raccourcir, mais lui pensait qu'il fallait le rallonger. On a vu la démonstration. Alors c'était un 3100 mètres, cette fois-ci c'est 3700 mètres, donc il y a quand même 600 mètres de plus, il y a 4 kilos en plus par rapport à cette victoire, mais donc voilà, j'ai la confirmation que le cheval est toujours aussi bien, et Serge Fouché pense que c'est un cheval qui en tout cas pouvait tenir la fois dernière. Maintenant il y a un tout petit peu plus de distance, mais on peut certainement compter sur lui pour ce numéro 2, Milord de Barrel. Et donc, par ricochet, on est obligé de voir une chance au numéro 4, un Vancouver du Guerne, parce que c'est un ancien élève de Fabrice Fouché qui a toujours bien réussi en plat et en obstacle ici à Nantes. Et ça, l'aptitude à la piste, c'est vraiment un paramètre essentiel sur les pommes du petit port. Que s'est-il passé la fois dernière à Châteaubriant? Il avait un numéro à l'extérieur, on l'a mis au sein du peloton. Voilà, ça a accéléré de sèchement dans l'un des tournants. Il n'a pas pu suivre le train. Il sera beaucoup mieux ici. Donc voilà. J'ai le sentiment qu'avec un Milord de Barrel qui est certes pénalisé, qui est en forme, et un Vancouver du Guerne qui retrouve son épreuve de prédilection, on a une ligne qui semble assez solide pour cette course. En tout cas, les entourages respectifs, Vincent, sont assez confiants. Oui, ce sont deux concurrents, Stéphane, hein, qui sont très joués ici. Mais entre ces deux-là, on a au niveau du betting le numéro 9, Vatoyo. Alors c'est un profil un peu différent, c'est une jument de 9 ans, une jument qui fait aujourd'hui son retour en plat. C'est la première fois en 2021 qu'elle va courir en plat après 4 sorties en obstacle. Ses dernières sorties en plat d'ailleurs fin 2020 étaient vraiment bonnes à Saint-Cloud. Elle avait réussi à s'imposer une fois, puis elle avait confirmé en se classant deuxième. C'est une jument qui est très performante sur les terrains pénibles. Alors aujourd'hui, le terrain est juste bon souple à Nantes, mais malgré tout, elle a déjà bien fait sur cette piste nantaise. C'est l'entraînement de Sonia de la Roche, Kazakh bien connu de l'écurie Bader. Attention, la cote est basse, hein, c'est une cote de grande confiance pour Vatoyo. Et parfois, on sait que ces chevaux qui alternent le plat et l'obstacle sont capables de bien faire dès leur retour dans une discipline qu'ils retrouvent. Donc pourquoi pas voir Vatoyo jouer un premier rôle ici n'aurait rien de très surprenant. Évoquons maintenant avec vous le numéro 10, Circa, qui est le doyen de la course, Stéphane, un cheval de 11 ans. Exactement. Alors, qui est maintenant entraîné par Jérôme Marion. Ce cheval-là pose problème quand même, parce que si vous reprenez sa course de l'an passé à Angers, sa quatrième place, sur une distance qui était assez longue, elle était vraiment excellente. Je pense que le lot même était meilleur que celui d'aujourd'hui. Sa rentrée à Châteaubriant, moi, c'était mi-figue, mi-raisin, mais c'est ce que m'a dit Jérôme Marion. On ne lui avait pas mis le bonnet, on l'avait mis plutôt pas très loin du groupe de tête. On a mis cette fois-ci un petit bonnet pour justement le mettre un petit peu dans son monde et on va le monter dernier. C'est le numéro 10 Circa et c'est certainement dans cette perspective qu'il est le mieux. Moi, c'est mon petit coup de poker. Hein. En bas du tableau, je pense qu'il est capable, en tout cas sur la course montrée l'an passé à Angers, qu'il est capable de causer une surprise. Sa cote doit être assez intéressante. Donc on a mis un bonnet, on va le monter dernier. Et donc on va quand même se méfier de ce numéro 10 Circa. Alors c'est un coup de poker parce que c'est vrai qu'à Châteaubriant on n'a pas pu accélérer dans la phase finale. Mais je trouve que c'est un coup de poker intéressant, ce numéro 10 Circa, pour éventuellement pimenter les rapports de ce mini-midi. Ouais, cheval qui est âgé, hein, qui a 11 ans, mais qui a très peu couru, seulement 15 courses, c'est vraiment peu, un cheval fragile. Sa dernière sortie à Nantes, en tout cas en juin 2020,
2020 était très bonne, hein, puisqu'il s'était classé deuxième sur un parcours de tenue. Sur 3100 mètres, on regarde quelques canters avec ici l'entrée en piste du numéro 5, Spirit of Dance, qui est présenté par Thierry Mercier, qui a remporté une course à Pornichet il y a quelques semaines sur la PSF, et qui reste sur une cinquième place à Cholet. Et on vous retrouve de nouveau, Stéphane, pour d'autres infos. Oui, en ce qui concerne l'écurie de Sonia Delaroche avec le numéro 9, Vatoyu, attention, vous l'avez dit, hein, pour son retour en plat, c'est une jument qui a déjà bien fait en obstacle, donc pas de problème de distance, hein, pour cette distance complètement atypique, hein, 3700 mètres ici à Nantes. Quelqu'un m'a dit que Goodin Marvelous va être grandement avantagé, c'est une femelle de 5 ans, alors elle est en valeur 15, c'est quasiment le bottom weight. Donc voilà, le 9 Vatoyu a certainement une chance pour son retour en plat, mais Goodin Marvelous va être avantagé par la grande distance. Et elle est bien physiquement, donc attention au 9 et au 12, pourquoi pas une surprise de leur part. Alors le 9 est joué, hein, c'est la deuxième favorite, il y a 4,50€. En revanche, la cote du numéro 12 est très élevée. Goodin Marvelous, 26 contre 1, c'est tout simplement la cote la plus élevée de l'épreuve. Écoutez, voilà une info qui peut intéresser ceux qui cherchent des grosses cotes. Entrée en piste ici du numéro 4 Vancouver du Guern, on en parlait tout à l'heure, un deuxième de la course de référence lors de son avant-dernière sortie, et le cheval va essayer d'effacer sa dernière apparition à Châteaubriant qui était moins bonne. Encore des infos avec vous, Stéphane. Oui, il y a un cheval également qui pose problème, en tout cas qui pose pas problème, mais c'est un point d'interrogation, c'est Canelo, Pierre Fertier, qui a été réclamé lors de ses quatrièmes places à l'Oudéac, justement. Il était entraîné à l'époque par Pierre Fertier. Franchement, j'ai bien aimé, hein, sa course de la fois dernière à Bordeaux-le-Bouscat, parce que le lot était vraiment correct. C'est un cheval que, lorsqu'il avait couru, on s'en souvient, en obstacle, était souvent pris de vitesse. Il venait finir lorsqu'il était chez Yannick Fertier. Donc, à mon avis, les 3700 mètres, ça ne va pas lui poser de problème. Dans le haut du tableau, alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est cette valeur de 31. Est-ce qu'il vaut réellement 31? Ce n'est pas sûr. En plus, 60,5 kg, j'ai vu le modèle du cheval. C'est pas un très très grand cheval, c'est le numéro 1 Canelo. Mais donc, le lot est bon, la forme est là, la distance va lui plaire. Voilà, il y a juste ce paramètre du poids qui pourrait être éventuellement handicapant dans la phase finale concernant ce numéro 1 Canelo. Mais ça peut être, pourquoi pas, une chance pour une troisième, quatrième place dans cette course. Fils de l'étalon Dragon Dancer, qui était un bon cheval de tenue, un cheval qui avait très bien couru dans un derby d'Epsom, remporté par Sir Percy. Et ce Canelo a remporté une course depuis le début de sa carrière. C'était lors de sa première apparition à Beaupréau. Par la suite, il a réussi à prendre un accessit à Angers en obstacle. Sa dernière course, en tout cas à Bordeaux, est tout à fait correcte. C'est vrai que le lot était d'un niveau intéressant. Et c'est donc une première pour lui dans les handicaps. Aujourd'hui, voilà les chevaux, hein, qui s'approchent des stades de départ. On est à moins de 3 minutes du départ de la deuxième, le prix marathon. Je vous rappelle que la première, le prix du Tertre, a permis à Tony Parker de voir sa casaque briller, la casaque d'Infinity Nine Horses, puisque Best 16, après deux accessites, a ouvert son palmarès sous la selle de Grégory Benoît pour l'entraînement de Yann Barbereau. Une dernière info avec vous, Stéphane, à 2 minutes du départ. Kenny, le numéro 3, va pas être désavantagé par la distance, hein. C'est un sujet qui a déjà couru lorsqu'il était en Allemagne sur 4000 mètres. Il avait fini 4e et pas très loin. Donc, en ce qui concerne ce cheval qui avait gagné, souvenez-vous, en 27,5 dans le sud-ouest, qui avait été pénalisé de 2 kilos. En tout cas, les 3700 mètres, ça va pas lui faire peur, hein. C'est le numéro 3 Kenny, origine allemande en plus. Il a été baissé un petit peu au poids, enfin d'une livre seulement. Donc voilà, en ce qui concerne le 3 Kenny, qui va être sur une distance qui ne va pas le contrarier. Et puis dans le bas du tableau, j'ai vu que notre expert Olivier Thomas avait pointé du doigt le numéro 11 Dreamer Star. En tout cas, c'est le bottom weight, hein, parce qu'avec la décharge de Maximilien Justum, il ne va porter que 50 kg. C'est un cheval qui adore Nantes, qui est bien placé au poids. Ça peut compter, hein, au bout de 3700 mètres, le poids dans les 100 ou 200 derniers mètres. Et Dreamer Star n'aura quasiment pas, en tout cas aura beaucoup moins de poids que le haut du tableau. Hein, je parlais tout à l'heure de l'As Canelo, où là ça peut être un petit peu handicapant. Et Dreamer Star peut, en tout cas Norbert Linders m'a dit le cheval est bien, le cheval fait bien Nantes. Et la distance devrait être dans ses cordes, et surtout il a un petit poids. Donc ce numéro 11 Dreamer Star pourrait, pourquoi pas, grâce à ce petit poids et à son aptitude à la piste, causer une surprise. Mais, et ça on le répète à chaque fois, mais l'aptitude, Stéphane, à Nantes, c'est vraiment quelque chose de très important. On voit ça quasiment à chaque réunion nantaise en ce qui concerne le plat. Ce sont vraiment les spécialistes qui brillent ici.
pouvez accorder un peu plus de crédit à des chevaux qui ont déjà fait leur preuve à Nantes. Le numéro 8 est à l'image, c'est Kiroz. Kiroz qui est présenté par Dominique Maé, qui est proposé à une cote d'outsider, 20 contre 1. L'avant-dernière sortie à Saint-Brieuc est tout à fait correcte, une quatrième place sur une piste qui était lourde ce jour-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Pas une impossibilité hein, pour les places. Tour maintenant de Spirit of Dance, le numéro 5. On parlait un petit peu plus tôt, donc une victoire dans une course à conditions à Pornichet au début du mois de mars. Voilà Kenny qu'évoquait Stéphane. Alors Kenny, il est vrai, a réussi à s'imposer à Mont-de-Marsan à la mi-mars. En revanche, on le retrouvait dans la course de référence hein, du 10 avril. Le cheval s'était classé 6e. Il avait été tout de même assez nettement dominé par les deux premiers, notamment ce numéro 2 qui entre dans sa stalle, Milord de Barrel. Toujours favori, 3,20 €. Il a essayé de confirmer sa victoire vraiment convaincante dernièrement, malgré une pénalisation de 4 kg. Vatoyo, deuxième favorite, s'approche des stalles. Stalle numéro 10, comme Best 16 dans la première. Et à chaque fois, cette stalle s'était transformée en stalle numéro 9, hein, c'est également partant. Canelo, le numéro 1. Présenté par Thierry Pochet. Deuxième sortie pour Thierry Pochet. Ce cheval qui était entraîné auparavant par Pierre Fertillet. Et c'est Spirit of Dance qui va être placé en dernier dans sa stalle. Départ imminent. Et les voilà partis pour le prix marathon à Nantes, très longue distance dans ce handicap destiné à des chevaux ayant minimum 4 ans, 3700 mètres à parcourir, départ en dehors hein, du numéro 5 Spirit of Dance qui reste isolé pour l'instant, bon départ à l'intérieur du numéro 8 Kiroz qui se retrouve aux avant-postes, le numéro 6 Mavala est également bien parti et vient en troisième position devant le numéro 3 Kenny, le rythme est soutenu pour l'instant au début de parcours malgré la longue distance, Vancouver Dugern, le numéro 4 vient à mi-peloton aux côtés du numéro 10 Circa. Alors, à l'arrière du peloton, en avant-dernière position, on voit également que Vatoyo attend à l'arrière en T-pénultième et c'est le numéro 12, Goodin Marvelous, qui ferme la marche. Le rythme est vraiment régulier, sous l'impulsion de Spirit of Dance, le numéro 5. En deuxième position, le numéro 8, Kiroz, troisième place à distance pour Mavala, le numéro 6, qui ramène le peloton. À son extérieur, le 10, Circa, dans son sillage, le numéro 3, Kenny. Loin vient l'As Canelo qui attend aux côtés du numéro 4 Vancouver Dugern, alors que Dreamer Star patiente à l'arrière, tout comme le numéro 9 Vatoyo, tout comme également le numéro 2 Milord de Barrel. C'est toujours donc Goodin Marvelous, le numéro 12 qui est en dernière position. Je suis en train de manger. Je vais faire des partages. On prend légèrement en tête avec Spirit of Dance hein, qui commence à respirer maintenant. Pour laquelle les chevaux se rapprochent maintenant de Spirit of Dance. En deuxième position, toujours le numéro 8 Kiroz. Troisième place à l'intérieur pour Mavala, qui vient avec à son extérieur le numéro 10 Circa. Canelo est en cinquième position environ, marqué de près par Vatoyo. Kenny progresse à l'intérieur hein, dans le sillage de Mavala. Ensuite, on retrouve le numéro 4 Vancouver Dugern. Le numéro 12 Goodin Marvelous qui a quitté la dernière position et qui se retrouve maintenant en T-pénultième. Derrière, on a Dreamer Star et le favori, Milord de Barrel, qui est en dernière position. Les chevaux viennent de passer devant les tribunes. Un tour de piste à parcourir. Toujours Spirit of Dance qui anime l'épreuve. Devant Kiroz qui est deuxième. Troisième place ensuite pour le numéro 10 Circa qui vient devant Mavala. Kenny patiente à mi-peloton, côté de Canelo. Ensuite, on retrouve le numéro 4 Vancouver Dugern, Vatoyo. Devance le numéro 12, Goodin Marvelous, Dreamer Star le 11 et toujours en dernière position, Milord de Barrel. Les joueurs sont en face une dernière fois, avec donc Spirit of Dance qui a toujours l'avantage hein, depuis le départ. Kiroz vient maintenant à son extérieur, avec tout près également le numéro 10, Circa. Ensuite on retrouve le numéro 6, Mavala, l'As Canelo qui vient devant Kenny, devant également Vatoyo, le numéro 9 hein, qui est en 7-8e position, à son intérieur le numéro 4 Vancouver Dugern, ensuite le numéro 12 Goodin Marvelous, on trouve toujours aux deux dernières places Dreamer Star le 11 et le favori le numéro 2 Milord de Barrel. Les chevaux s'approchent maintenant du tournant final avec donc Spirit of Dance le numéro 5 qui a l'avantage, en deuxième position Kiro, ces deux-là hein, qui sont toujours aux deux premières places depuis le départ. Ensuite vient le numéro 10 Circa qui est troisième, à son intérieur le numéro 6 Mavala,
1 devant l'As Canelo qui est en 5e position. Kenny est tout prêt. Ensuite on retrouve Vatoyo, le numéro 9, qui commence à tenter de se rapprocher un peu à l'extérieur. Quant au favori, il progresse maintenant en dehors après avoir longtemps patienté à l'arrière du peloton. Il y a pas mal de longueurs à faire sur les premiers qui vont tenter de repartir dans quelques instants à la sortie du tournant final, avec toujours le numéro 5 Spirit of Dance qui a l'avantage. En deuxième position vient le numéro 8 Kiros, troisième place à l'intérieur pour le numéro 6 Mavala. Et puis voilà les chevaux très en vue qui se rapprochent en dehors, notamment le numéro 9 Vatoyo et surtout le grand favori qui vient complètement à l'extérieur, le numéro 2 Milord de Barrel. L'ultime ligne droite va arriver dans quelques instants et c'est toujours le long de la corde. Spirit of Dance qui a l'avantage devant le numéro 8 qui est là en deuxième position, Kiros en troisième place. Là, Canelo qui est à l'extérieur, Vatoyo maintenant qui tente de refaire du terrain, lancé par Marlinéon. Il reste environ 250 mètres à parcourir et pour l'instant Spirit of Dance repart le long de la corde. Attention également au numéro 4 Vancouver du Guern qui a trouvé l'ouverture et qui refait pas mal de terrain avec le numéro 1 Canelo qui progresse à l'extérieur aux abords du poteau. C'est le 4 Vancouver du Guern qui va s'imposer, la deuxième place peut-être conservée par le numéro 5 Spirit of Dance, à voir notamment avec le numéro 8 Kiros ou encore l'As Canelo. Vancouver du Guern, le numéro 4, retrouver son hippodrome et s'impose. Le numéro 4 s'impose ensuite, photographie pour la deuxième place entre le 5 Spirit of Dance qui est bien reparti et le numéro 8 Kiros. Là, Scanello a fait illusion mais ne finira que 4e. Victoire du 4, ensuite photo 5-8 pour la deuxième place, 4e place pour l'As. Et j'ai l'impression que c'est Vatoyo le 9 qui doit être 5e. 4, 5, 8, assez neuf. Voilà a priori l'arrivée de cette course avec Vancouver du Guern qui a réussi cette fois à s'imposer. Il fallait se souvenir de son abandon à la sortie qui était bonne. Le parcours a été excellent également, donné par Sophie Chouette qui a progressé à l'intérieur. Ça s'est ouvert et c'est vraiment une course assez rêvée pour son numéro 4 Vancouver du Guern qui avait été supplémenté. 4, 5, 8, As et 9. Alors on affiche toujours photographie pour la deuxième place entre les numéros 5 et 8. Mais voilà notre ordre de préférence. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième, Laurent, une classe 2. Merci, à tout à l'heure, bien sûr, pour la troisième. En effet, on va enchaîner directement avec la Norvège. On y va. La Norvège, Cédric, avec une nouvelle compétition, c'est la deuxième rencontre. Le numéro 5 ne court pas et on voit qu'il y a deux co-préférés actuellement. Oui, c'est les conditions de course, c'est uniquement des femelles qui n'ont pas gagné. 3 500 euros dans cette compétition. Et côté du déferrage, le numéro 11, Paris Style, sera déferré des 4 pieds. Le numéro 8, Erubia, déferré des antérieurs. Et le 10, The Another Day, SF, déferré des postérieurs. Voilà, et c'est vrai au niveau des cotes hein, en Norvège, vous voyez que le match est annoncé entre Costant Caviar et le numéro 4 Sheila. On va peut-être parler de celle qui est à l'image, c'est Costant Caviar, le numéro 1 qui va faire une rentrée hein, une grande rentrée, l'entraînement toujours très habile d'Anders Lundström Volden. C'est une concurrente qui a couru 4 fois dans sa carrière, qui a débuté par une victoire à Klosterskogen assez bien couru. Elle battait ce jour-là d'ailleurs à vraiment assez bien couru. Elle battait ce jour-là d'ailleurs à Klosterskogen, le quatrième du critérium. Donc ça vous montre un petit peu le niveau de cette Costant Caviar. Ensuite, elle a eu un problème un postérieur, un trait de fracture, et du coup, son entourage a été obligé de la mettre de côté, de l'écarter des pistes. Oui, je me permets de vous couper parce qu'on m'annonce qu'il y a une enquête à Nantes. Hein. Enquête dans la deuxième course, à l'arrivée de la deuxième course à Nantes. Donc gardez vos tickets. Enquête dans la deuxième de Nantes. Je vous laisse continuer. Oui, donc je disais qu'elle a eu une fracture, qu'elle a été opérée et que son entraîneur est assez confiant parce qu'au travail, elle donne vraiment une tiers satisfaction. Elle s'entraîne avec une autre concurrente qui a 4 fois plus de gains qu'elle. Et les deux se valent selon l'entraîneur. Donc je fais confiance quand même à ce professionnel qui est quand même assez réputé. Elle devra se méfier de Sheila, le numéro 4. Sheila a certainement le choix d'Eric Antolmt, car le célèbre driver qui a remporté la première a drivé pas moins de 4 concurrentes hein, et il est au sulky du numéro 4 Sheila. Sheila qui avait bien couru le 12 avril dernier, battu néanmoins par le numéro 3 Taino Rosemary en devançant Delicious Monica. Ce jour-là, les trois femelles affrontaient des mâles. Aujourd'hui, elles ne sont qu'entre elles et
franchement, Sheila a vraiment une très belle carte à jouer. Alors, plus de précision hein, sur l'enquête, apparemment, ça concernerait le deuxième et le troisième. Donc, Spirit of Dance et Tyrose, les numéros 5 et 8, seraient concernés par l'enquête. On continue avec vous. Ouais, avec le numéro 6 qui est à l'image, c'est donc Delicious Monica, hein, quatrième, battue hein, par Taino Rosemary, battue par Sheila dans une épreuve de référence. Numéro 6 qui avait gagné sur l'hippodrome de Biri, hein, au pied de l'île amère. J'ai là ça 3,4. Après le début d'année est quand même moins bon hein, que l'année passée. On voit ici donc cette fille de Dream Vacation. Lui âgé de 4 ans. Échauffement Laurent avec le numéro 11 Paris Style. Alors Paris Style, attention à cette concurrente qui vient de faire une rentrée dans un lot qui était nettement supérieur, puisque c'était fermé aux chevaux, et au mâle, oui, aux chevaux, pas 55 000 couronnes, c'est-à-dire pas 5 500 €, là on est fermé à 3 500. Donc elle devrait progresser sur cette rentrée, et l'engagement est bon, même si elle devra s'élancer en deuxième ligne. Un outsider ici, le numéro 8, Eurubia. Eurubia qui n'a pas couru depuis le mois de janvier, elle est toujours médaine, hein. Elle ne s'est jamais imposée malgré les 9 sorties publiques. Son meilleur classement est une 3e place, c'est d'ailleurs la 3e place était acquise le 15 décembre dernier sur l'hippodrome de Bierke dans la capitale d'ailleurs, qui est fermée hein, Laurent, puisque le comté, hein, le directeur du comté n'autorise pas les courses à reprendre. Alors, on approche hein, tranquillement du départ de l'épreuve. Si vous sortez quelques priorités absolues dans cette course, vous sortez qui en particulier? L'As, Constant Caviar, le numéro 4 Sheila pour la drive d'Eric Comtomte. Il y a également un petit mot sur le numéro 7 Canola. Canola qui est ici drivé par Lance Anvar Kohle, qui est un célèbre professionnel. Et Canola. Elle aussi hein, redescend de catégorie. Elle avait gagné à Bierke l'an passé. Ensuite, on n'a pas vu grand-chose, mais la dernière sortie était dans un lot bien plus relevé. C'était une rentrée. On peut pourquoi pas lui accorder un petit peu de crédit hein, à cette Canola qui est quand même assez jouée. Vous voyez les cotes. Hein, elle est quand même bien appuyée. Pour l'instant, la troisième favorite de la course. 7-6-4. Il y a une cote qui est tombée à 2 hein, pour 10 sur 10, 7-6-4-10. Le favori. Oui, c'est normal, hein, Constant Caviar. Voilà, le petit bémol, c'est bien sûr la rentrée, hein, pas couru depuis le mois d'août. Hein, c'est sûr que ça fait une grande absence. Le 10, Diane Verde, j'en ai pas parlé. 13 contre 1, Diane Verde qui vient du Danemark, hein, 4, 5, 6, 7, qui a été néanmoins non partante le 9 avril dernier. Elle a couru. Deux fois dans sa carrière, pour des débuts à Askiv au Danemark, elle va débuter en Norvège. C'est l'entraînement et la drive de Per Olag Midfeld, lui qui vient de l'est, sud-est de la Norvège. On regarde ce matin, il y a un peu de suite. Le de Montmarken. 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Ici la favorite. Je trouve que c'est quand même un choix prioritaire, alors qu'on voit les quelques gouttes de pluie. C'était le 8 qui m'intéresse aussi. On prend le 8, on fait 4, 7, 6, 8. On fait la suite, hein, à fond, 4, 6, 7, 8. Il n'y a pas de 5 à l'empartant. En tout cas, c'est vrai que les parieurs, même si Cosman Caviar fait une rentrée, lui font confiance largement. On verra si, comme dans la première, le favori réussit à. Tout le monde avait 4, 5, 8. 4 chevaux semblent se détacher. En tout cas, 2 pouliches semblent se détacher. Les 2, 4 ans, que sont Cosman Caviar et Sheila. Après Taino Tasmari avait devancé Sheila, c'est vrai, sur le podium de Biri. Mais aujourd'hui, Taino Tasmari, Rosemary, en deuxième ligne. Taino Rosemary qui n'a jamais gagné. Je me trouve embarrassé. C'est vrai que sur sa sortie de la course de référence, c'est une petite chance. On rappelle qu'on est sur 2100 mètres hein, dans cette épreuve. Oui, on part devant les tribunes et on fait deux tours de piste. Deux possibilités, vous choisissez. Allez, ils vont se regrouper dans quelques instants. On va suivre de près les premiers mètres de course pour le favori Constant Caviar qui demeure à 2 €. Et un petit mot sur la dernière, le 9 Spicy Future hein, qui est drivé par Frodo Amreux. Frodo Amreux qui est
Le champion de l'hippodrome de Jarlsberg, l'an passé, il a fait un véritable festival. 94 partants, 94 drives à Jarlsberg, 34 victoires et 25 podiums. C'est magnifique. Ah oui. Il y a une baisse de cote sur le numéro 9 d'ailleurs, regardez. Oui, après Spicy Future qui n'est pas très sage, qui n'a pas été revu depuis sa mauvaise sortie à Sorlandet. Bon, il faudra voir comment elle se comporte. Certainement besoin de repos. Peut-être que Spicy Future, ouais, c'est peut-être l'outsider de cette course. En tout cas, il y a deux bonnes bases, que sont Constant Caviar et Sheila. Canola le 7 et Paris Style le 11 devront se défaire des numéros qui sont quand même pas faciles. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite saucisse, Laurent, comme on dit. C'était l'air du temps pour les baleines. Très bien. C'est pas trop dans l'air du temps de massacrer des baleines et de chasser la baleine. C'est clair. Dans la Norvège, et c'est un pays consommateur de cette viande. Oh, faute du numéro 9, Spicy Future. Spicy Future qui est au grand galop avant le départ. Spicy Future qui perd énormément de terrain. Est-ce que le départ va être donné? F2 Amreux qui est obligé de demander à sa partenaire de sprinter pour déjà recoller la voiture qui va accélérer. J'ai l'impression que Costan Caviar veut partir très vite. Vidarop là veut partir très vite. Costan Caviar qui fait sa rentrée, mais on va plus vite à l'extérieur avec le numéro 6, Delicious Monica, et également le numéro 7 qui est Canola. Canola qui va s'installer en tête avec en deuxième position Delicious Monica, mais qui est contré à l'intérieur par le numéro 1, Costan Caviar, qui garde sa place. Et ces trois juments-là, encore le numéro 4, Sheila, avec un petit peu plus loin Boco Loco FT. Et également Paris Style, qui malgré son numéro 11 se retrouve déjà en 6e position. On retrouve le numéro 8, Rubia, un petit peu plus loin. Et le numéro 9, Spicy Future, qui ferme la marche. Première fois, le bout de la ligne opposée avec le numéro 7, Canola, qui a la tête et la corde. Dans son sillage, une des favorites, Custom Caviar. Le nez au vent, c'est le numéro 6, Delicious Monica. Et toutes les trois devant encore le 2, Bocolo FT. Et le numéro 4, qui est Sheila. Et ces 5-là devant des concurrents qui s'est lancé en deuxième ligne. Le 10 qui est Dianover DSF et le 11 Paris Style pour l'instant à l'arrière-garde. Le 3, le 8 et le 9. On a nettement repris l'allure. Là, Larsen Verkole qui jauge un petit peu l'opposition. Il a la tête et la corde à l'extérieur. C'est le numéro 6 alors qu'on note une nouvelle faute de Spicy Future cette fois-ci. Ça va être quasiment terminé. Passage dans les tribunes avec donc Canola qui a la tête et la corde. Le nez au vent, c'est le numéro 6, Delicious Monica et Gunnar Ostervoll. Troisième place pour Costan Caviar devant encore le numéro 4, Sheila. Pour l'instant, les deux favoris qui sont troisième et quatrième sur un deuxième rideau. Une troisième ligne composée du numéro 2, Boco Loco FT et du numéro 11, Paris Style Catan. Un petit peu plus loin, vient le 10, Dianover D. Toujours à l'arrière, le 3, Teino Rosemary. Et également le numéro 8, Rubia avec Gundersen. Ligne opposée pour la dernière fois avec toujours Canola qui règle l'allure. En deuxième position, c'est le numéro 6, Delicious Monica. Pour l'instant, l'as est bien placé. C'est Costan Caviar et ses trois. Voilà, car derrière le numéro 4 Sheila recule un petit peu derrière Delicious Monica qui ne vient pas à la hauteur de l'animatrice. L'animatrice qui va aborder bientôt le tournant final en tête avec donc Canola. Canola devant Costan Caviar, devant encore Delicious Monica. Il est obligé de sortir Eric Comtomt avec Sheila. Il va tenter de venir en troisième épaisseur, mais pour l'instant il ne progresse pas sa partenaire. Tournant final avec le numéro 7 Canola qui a toujours le meilleur. Costan Caviar qui n'a pas le passage. Delicious Monica, le numéro 6 qui est en troisième position devant encore le 2. Le 4 Sheila est complètement battu. Ligne droite finale pour le numéro 7 et Canola qui a l'avantage. Est-ce que Vidarob va pouvoir sortir? Pour l'instant, il n'y a pas trop le passage et Canola va peut-être en profiter. Costan Caviar qui est en deuxième position mais qui n'accélère pas trop devant encore le numéro 6, Delicious Monica qui se défend bien. Derrière, on finit fort avec le 2 Bocolo FT. Et le numéro 7 Canola qui est le meilleur avec Costan Caviar qui est deuxième et le 2 qui finit de plus en plus fort. Le 7 va s'imposer, la deuxième place pour le 2. La troisième conservée peut-être par le numéro 1 Costan Caviar aux dépens du numéro 8 Rubia. Canola qui s'impose ici en effet numéro 7. Il y a une cote de 11 euros pour Canola qui a réussi à garder l'avantage jusqu'au bout face à Boco Loco qui lui était à 49 euros. Donc des cotes assez élevées. Pour la troisième place, c'est pointu. Ah oui, très pointu. Entre peut-être quand même la favorite et encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que Costan Caviar a gardé la troisième place aux dépens de Rubia? Rien n'est moins sûr. C'est vrai que le numéro 2 n'est pas facile.
Et la touche code de Constante Caviar était tombée à 1,10€ avant le départ. Ils peuvent trembler, hein, parce que je ne sais pas si elle est troisième. Et là, c'est très serré pour la troisième place. Que dire de la victoire de... Oh, bravo à Sound River et grosse déception avec Sheila qui a rendu les armes au bout de la ligne opposée. Voilà, on vous tient au courant du résultat, bien sûr, dès que nous le connaîtrons après photo. On revient sur la deuxième j'aurais de Nantes, il y avait une enquête, il y a eu un changement d'arrivée. C'est un multi qui est sympa. Kyros est passé devant Spirit of Nantes, le numéro 8 était 3ème dans un premier temps, il est passé devant le numéro 5, il est programmé à la 3ème place. On aura les explications dans quelques instants avec Vincent Lahal. L'arrivée est venue en tout cas 4-8-5-1. On parle de la 3ème. Oui, j'ai décidé de faire confiance à Avril Omanoir, le numéro 6, dont la dernière course est bonne. Un cheval qui a montré des dispositions à 2 ans, qui va monter en condition. Et qui aujourd'hui peut être tout à fait compétitif dans cette compétition. On va essayer de toucher le Super 4 avec Avril au manoir et également le numéro 4 Fort Bering qui a été bon pour sa rentrée en allant devant. S'il n'accuse pas le contre-coup de cette rentrée, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Donc 4 et 6 sur la première ligne du Super 4 et 3 concurrents pour essayer de prendre la 3ème ou la 4ème place. Ça nous fait donc en champ libre 50% 6 euros. Très bien, c'est noté. Je propose qu'on retrouve Vincent qui va nous expliquer pourquoi il y a eu changement d'arrivée dans l'épreuve. Et pour cela, Laurent, on vous propose de regarder la vue de face. Vous allez voir, c'est assez net ce qui s'est passé entre le numéro 5 Spirit of Dance et le numéro 8 Kiro Spirit of Dance qui avait animé la course. Un train sélectif a penché pour finir, un peu fatigué sans doute. Allez voir, c'est la Kazakh Blue Ciel que vous voyez au centre. Il va pencher sur sa droite et il va gêner le numéro 8. Kiros qui va dans un premier temps se classer 3ème et pas un écart énorme entre les deux chevaux à l'arrivée, raison pour laquelle donc les commissaires ont inversé ces deux-là. L'arrivée donc après enquête 4-8-5-As-9, 4-8-5-As-9, donc après enquête, arrivée maintenant définitive de la deuxième, le prix marathon. On évoque la troisième course à Nantes, qui est une course intéressante, le prix de la Mayenne, vous l'avez évoqué rapidement en plateau avec Olivier. Au niveau classe 2 qui s'adresse à des 3 ans, Poulain et Pouliche au départ de l'épreuve avec certaines valeurs assez élevées dans cette course. Il y aura une distance de 1600 mètres à parcourir. Et on va regarder ensemble une course de référence qui concerne celui qui est le favori, non qui n'est plus favori maintenant, le numéro 4 Fort Bering, qu'on va retrouver en action lors de sa sortie du 10 avril à Nantes. Une course dans laquelle on avait également Avril au manoir qui allait prendre la 4ème place. Avril au manoir qui va tracer une belle ligne droite à l'extérieur. Terminant tout près de Fort Bering, il y avait un quart de longueur entre ces deux-là à l'arrivée, course qui était remportée par Islaz. Islaz qui est une pouliche entraînée par Joséphine Soudan qui a remporté 3 courses en 4 sorties. La seule fois où elle ne l'a pas gagnée, c'était à Saint-Cloud en début d'année dans le prix La Camargo. Donc c'est vraiment une ligne qui paraît tout à fait intéressante. Et ces deux-là, Fort Bering et Avril au manoir, font logiquement partie des favoris de l'épreuve. Mais c'est le numéro 2, Aklam, qui vous voyez est favori, un co-favori maintenant avec Fort Bering qui est repassé en jaune. Le numéro 2, Aklam, qui est présenté par Henri Lexpental et qui vient d'ouvrir son palmarès à Strasbourg pour sa deuxième sortie. Nous allons nous évoquer le numéro 5 avec Stéphane, c'est Gift of the Jay qui est présenté par Florent Guyader. Gift of the Jay qui a pour lui d'être régulier depuis le début de sa carrière, mais il est toujours à la recherche, Stéphane, d'une première victoire. Oui, avec Marie Bellon qui m'a dit qu'elle montait 2 fois aujourd'hui pour la Kazakh Marnan et que c'était sa meilleure chance du jour. C'était justement ce numéro 5, Gift of the G. Si le cheval s'adapte bien au parcours de Nantes, voilà, elle espère vraiment finir sur le podium dans une course qui est assez ouverte parce qu'il y a des chevaux qui viennent d'horizons complètement différents. Donc voilà, tout peut arriver dans cette compétition. En tout cas, Marie Bellon va monter en confiance le numéro 5, Gift of the G. Et un cheval que j'aime beaucoup depuis l'an passé, c'est Avril au manoir, qui a été castré entre 2020 et 2021, après une rentrée plutôt effacée à Saint-Cloud. Le cheval a bien couru à Nantes, mais moi je me souviens que Jean-Michel Lefebvre m'avait dit, je pense que le cheval n'est pas complètement arrivé en pleine possession de ses moyens en 2021. Donc on peut penser que la course de la fois dernière lui a fait le plus grand bien, il devrait courir en progrès. J'aime beaucoup ce numéro 6, Avril au manoir, parce qu'on se souvient que l'an passé il avait échoué très peu dans une listed. Il a un bon changement de vitesse, la dernière fois il a même pris, je crois, l'avantage à mêlée droite, mais c'est les chevaux de la Corse qui ont redémarré. Donc attention ce numéro 6, Avril au manoir, et puis j'ai hâte également de voir un cheval qui est très beau au niveau de son modèle, c'est le 2 Aklam.
franchement, c'est un sujet qui a gagné sur 1400 mètres, certes. Et quand on voit sa course de Strasbourg, on sent que c'est un sujet qui sera mieux avec 200 mètres de plus parce qu'il était toujours un peu pris de vitesse. Et physiquement, c'est un cheval qui n'est pas très grand, mais il est très ramassé. Il montre pas mal de puissance. Il a la stalle numéro 1. Et j'ai l'impression que on connaît pas trop ses limites à ce numéro 2 à Clam. Et au rond de rotation, il est vraiment pas mal. Moi j'aime bien le 2 à Clam et mon coup de cœur c'est le 6 à Avril au Manoir qui donc doit avoir progressé sur sa classe en sortie. Et le 2 à Clam, je vous le dis, physiquement il est pas mal du tout. Avril au Manoir, on a ici à l'image que j'ai eu la chance de voir débuter à Vichy. Le cheval avait vraiment fait un truc lors de sa première sortie victorieuse. Par la suite, il y a eu une bonne sortie au niveau du stade, une troisième place, et d'ailleurs il fait la queue de c'est vrai. Pas été des plus réguliers, mais cette dernière sortie, on l'a vu, et elle est bonne, et je vous rappelle que c'est d'ailleurs le choix de notre expert, Olivier Thomas. On retrouve ici le numéro 2, Aclam, qui est intéressant de voir son canter. Alors évidemment, c'est la première fois que le poulain affronte un tel lot. Deuxième place en débutant dans un lot intéressant, et une victoire par la suite avec un certain brio. Là, l'opposition est plus relevée, ça va être vraiment très instructif de le voir évoluer aujourd'hui dans ce lot. On retrouve Stéphane pour d'autres infos. C'est une course, franchement, ça peut être à chacun le sien. Vous pouvez très bien courir et ne finir que cinquième de cette course. Fort Bering a fait une très bonne rentrée. On peut penser qu'il a progressé. Malheureusement, Yorgan O'Neill n'est pas là. Il y a là, c'est l'Estroscope qui est arrivé d'Angleterre. Il avait couru sur 1000 mètres et à 1100 mètres. Avec Jean Delmeau et son équipe, ils ont fait du très bon boulot pour le canaliser. Il a gagné sur la piste nantaise, donc il connaît Nantes, il a gagné. Et ce jour-là, il avait un numéro tout à l'intérieur de la piste. Et tout s'est ouvert à 100 mètres du poteau. Ça a été une course de rêve. Le lot est beaucoup plus fort aujourd'hui, mais en tout cas, le cheval prend les courses dans le bon sens. Vous avez dit Olivier Dandinier qui avait gagné cette course. En plus, il avait une décharge, cette fois-ci, c'est top weight. Il avait un numéro à l'intérieur, cette fois-ci, il a un numéro en dehors. Donc voilà, ce sont des paramètres qui sont complètement différents. Pour là, c'est l'Estroscope. Mais en tout cas, il connaît la piste nantaise. Et une chose est sûre, c'est que maintenant, on peut lui enlever le bonnet. Parce qu'on lui avait un bonnet, je crois que les deux premières courses qu'il a dû faire en France, il l'avait. Et là, on lui a enlevé, donc ça veut dire que le cheval prend les choses du bon côté, mais les paramètres sont complètement différents et le lot est bien meilleur. En ce qui concerne là, c'est l'Estroscope, mais il connaît la piste, il est en forme. Est-ce que ça peut suffire? Et puis, sachez une chose, c'est qu'il y a un homme qui vient très très peu à Nantes, c'est Antoine Bevatrio. Franchement, je crois que sur l'année dernière, il a dû venir peut-être une fois ou deux. Et à chaque fois qu'il vient, il finit sur le podium. Alors, je ne sais pas si ça va être encore le cas. C'est une femelle de 3 ans qui a gagné son deuxième handicap cette année, qui a donc été pénalisée 2 kilos sur sa plus récente sortie. Elle est en 33, elle est en 37. Avec Marilyn Néon qui la monte cette fois-ci, Black Panther est en forme, a beaucoup d'expérience. Est-ce que ça peut suffire? Mais Antoine de Vatrigon donc vient peu, mais toujours à bon escient ici à Nantes. Ça fait encore une possibilité, hein, ce numéro 3. Oui, Pouliche qui est en plein épanouissement, Stéphane, cette Black Panther qui a déjà pas mal couru, 12 courses au compteur, et elle a signé 2 victoires depuis le début de l'année. Une première victoire à Cannes-sur-Mer dans un handicap en 30,5 de valeur, et une nouvelle victoire quelques semaines plus tard à Tarbes dans un handicap qu'elle a remporté vraiment avec brio. Alors la pénalisation a été beaucoup plus lourde, 4 kilos de pénalisation pour cette seconde victoire, raison pour laquelle son entraîneur donc tente l'avantage à un niveau supérieur aujourd'hui. Alors 37 de valeur en théorie, c'est pas suffisant face à Fort Bering ou Avril Manoir et peut-être même à Clam, hein, pour qui on n'a pas encore de valeur mais qui semble avoir une valeur supérieure à cela. Maintenant, sa forme est importante et puis comme elle est sur une pente très ascendante, pourquoi pas l'avoir bien faire aujourd'hui à un niveau supérieur. On vous retrouve, Stéphane, pour d'autres infos. Oui, donc Electroscope connaît la piste, est en forme. À Clam, c'est vraiment un cheval qui semble sur la montante, il a sa chance. Black Panther, entraînement d'Antoine de Vatrigon, c'est aussi une chance. Fort Bering, alors Fort Bering, il a eu le malheur entre guillemets de battre Avril au Manoir la dernière fois, et sur cette troisième place, il a été pénalisé, tenez-vous bien, de 2,5 kg. Donc il était en 39,5, il est passé en 42 de valeur. Alors maintenant, je trouve que pour ce numéro 4, Fort Bering, c'est en fait un bon engagement parce que 42, on va avoir le niveau listed. Gift of the J, c'est une chance aussi, Marie-Vélon est confiante. Avril au Manoir, il est sur la montante, c'est aussi une chance. Là, va faire un degré moindre hein, pour l'entraînement de Fabrice Foucher, parce que ce n'est qu'une valeur 31, valeur affirmée et connue. Et Karel Quinn, vous allez me dire, dans tout ça, Karel Quinn, c'est une valeur 38, qui l'an passé a couru dans de très très bons lots. Et quand vous regardez son palmarès, elle court toujours bien sur la fraîcheur. Donc, elle fait une réapparition. Damien Bauch a gagné 2 courses hier, il est en forme, et elle court bien fraîche. Elle a la stalle numéro 3, ça pourrait être pourquoi pas une possibilité également, parce que les lots de l'an passé concernant cette fille de Chimouni étaient pas mal du tout, et sur la fraîcheur,
Elle a souvent bien couru ce numéro 8. C'est une course qui est vraiment très très ouverte. Et l'entrée dans le stall, Stéphane débute avec ici le numéro 2, Acclam, confié à Julien Guillochon. Poulain qui est tout neuf hein, par rapport à certains de ses adversaires du jour. Il n'a couru que deux fois, c'est le moins expérimenté. C'est une première au niveau classe 2 pour lui. Gary Quinn, à son tour, vient d'être placé dans un stall. De Sioni qui fait une rentrée après 4 mois d'absence. D'ailleurs, la seule concurrente hein, qui fait une rentrée dans cette classe 2 bien composée. Forbering, le numéro 4, co-favori à la cote de 3,90€. Même code pour Acclam, le numéro 2, 5,50€ pour Avril Manoir, 4,80€ pour Gift of the Jay. Voilà le numéro 7, Love Affair maintenant, avec Maximilien Justhomme. Alors valeur de 31, la pouliche est barrée avant le coup. Hein. Dans cette course, c'est logiquement la cote la plus élevée, 19 contre 1. Non, c'est pas la cote la plus élevée d'ailleurs, parce que Carly Queen est encore moins jouée, mais en théorie, c'est la moins bonne chance. Electroscope, le numéro 1, qui a débuté sa carrière en Irlande, qui vient de s'imposer. Et Black Panther, le numéro 3, avec Marie Néon. Départ imminent pour la troisième. Le prix de la Mayenne, tous dans les stalles. Et voilà parti pour cette course de niveau classe 2 qui s'adresse à des 3 ans. 1600 mètres à parcourir. Départ en léger retrait du numéro 3, Black Panther en running. L'un des favoris de la course qui se retrouve aux avant-postes. Bon départ également à l'intérieur du numéro 2, Acclam. On retrouve deux des chevaux très joués aux avant-postes avec entre ces deux-là le numéro 5, Gift of the G. Après le manoir, le numéro 6 se retrouve en épaisseur pour l'instant, alors qu'on voit à mi-peloton le numéro 8 de Karel Queen qui vient devant l'as Electroscope. Black Panther est en avant-dernière position et c'est le numéro 7 Love Affair qui ferme la marche. Les concurrents sont déjà dans le tournant final quasiment avec le numéro 4 Forbering qui a l'avantage. Après le manoir qui vient maintenant à son extérieur en deuxième position. Troisième place ensuite pour le numéro 2 Acclam qui devance le numéro 5 Gift of the G qui est quatrième. Ensuite on retrouve l'as Electroscope en cinquième position avec à son intérieur le numéro 8 donc Karel Queen qui patiente à mi-peloton. Ensuite on voit à l'arrière le numéro 3 Black Panther et le numéro 7 Love Affair en dernière position. Les concurrents sont à mi-tournant final et s'approchent comme ça de l'ultime ligne droite avec toujours le numéro 4 Farmbearing qui a le meilleur en deuxième position. Avril au manoir, troisième place ensuite à l'intérieur pour le numéro 2 Acclam qui est pour l'instant en contact du numéro 5 Gift of the G. Puis on voit plus loin là c'est Electroscope qui patiente en cinquième position et qui va sans doute être décalé dans quelques instants par son jockey. L'ultime ligne droite arrive maintenant avec le numéro 6, Avril au manoir qui déborde le numéro 2, le numéro 4 Forbearing qui se retrouve en deuxième position. Puis on voit à l'extérieur maintenant Electroscope qui refait un petit peu de terrain aux côtés du numéro 5 Gift of the G. Il reste environ 200 mètres à parcourir. Avril au manoir a pris l'avantage sous la selle de Théo Bachelot et bien parti pour s'imposer, même si à l'extérieur là c'est Electroscope refait maintenant du terrain. Il reste environ 50 mètres à parcourir. Avril au manoir qui va renouer avec la victoire brillamment. La deuxième place pour l'as Electroscope et la troisième place semble-t-il conservée par le numéro 4 Forbearing, à voir tout de même avec le numéro 5 Gift of the G. Avril au manoir donc s'impose ce numéro 6, il a beaucoup progressé par rapport à sa plus récente sortie. Electroscope court très très bien, aptitude à la piste, c'était des conditions complètement différentes, il fait une très très belle valeur ce numéro 1. Ensuite c'est le numéro 4, hein, Forbearing qui va conserver à mon avis la 3ème place au dépend du numéro 5 GIF of the G. Donc victoire du 6 devant l'as, je me mouille un peu, en plus ça va nous rafraîchir parce qu'il fait bon. Certainement le 4, 3ème devant le 5. Oui, je vous rejoins, 6, As, 4, 5, 8, voilà l'arrivée donc de cette classe 2 avec un Avril au manoir qui a été très bon. Le cheval n'avait plus gagné depuis sa première sortie à Vichy où ce jour-là il avait vraiment fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il a été castré, il a connu des petits soucis, c'est un cheval qui n'a pas toujours été fiable, mais là aujourd'hui on a retrouvé le bon Avril au manoir. La note est bonne effectivement pour Electroscope hein, qui termine dans une bonne action à l'extérieur. Et la troisième place devrait être conservée a priori le long de la corde par le numéro 4 Forbearing, Jean-Michel Lefebvre, donc qui s'impose la monte de Théo Bachelot. Et voyez, il n'y a plus photo, 6, As, 4, 5 et 8, voilà l'arrivée de la troisième Laurent ici à Nantes.
Voilà, merci. À tout à l'heure. Joli succès en effet d'Avril au Manoir. Donc le duo Bachelot-Lefebvre à l'honneur, la Kazakh Martin et l'élevage de Guillaume Cousin avec ce fils de Pénis Petit. On va poursuivre nous tout de suite avec une nouvelle rencontre. Elle se déroule toujours en Norvège. C'est la troisième. Les trotteurs, on retrouve tout de suite Cédric. Ouais, cette troisième course, Laurent, 1 500 € d'allocation au premier. Il ne faut pas avoir gagné 22 000 € pour y participer. Ils sont 10, 3 juments, le 3, le 8, le 10. Deux concurrents déférés des intérieurs, les numéros 4 et 10. Voilà, il y a 2 100 mètres à parcourir et pour l'instant, le favori est un cheval danois, le numéro 2, Estrenk. Estrenk qui reste sur deux succès très convaincants. Un sur le mile et un sur 2100 mètres. C'était à chaque fois sur l'hippodrome de Biri. Il s'est baladé vraiment. Il va découvrir la piste de Jarlsberg. Un bon numéro, un driver expérimenté. Bon, ça sent quand même assez bon, hein, même si on doit se montrer prudent. On l'a vu dans la précédente. Hein, le favori a sauvé les matelassiers, Laurent. Qui va faire le papier. Non, je suis là, Cédric. Je vous écoute, mais là, vous m'avez pris de vitesse. Oui, c'est vrai que le favori, la favorite tout à l'heure nous a fait très peur, mais bon, pour la troisième place, heureusement, elle a sauvé ceux qui l'avaient joué. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai que la cote de 1,10€, elle était très exagérée tout à l'heure. C'était tombé à 1,10€ au moment du départ. Je ne sais pas comment ça va se passer ici, on va voir. En tout cas, déjà, je vous laisse nous présenter l'opposition au préféré des parieurs. Ouais, donc Estrenk, hein, je le disais, vient de s'imposer, trottant 14-8 sur l'hippodrome de Biri. Ce jour-là, il mettait très très loin le numéro 7, Gliding Sun, proposé à 18 contre 1. Gliding Sun avec le fils hein, d'Eric Hoynthompt, qui est Marius Hoynthompt, qui a déjà remporté plus de 200 courses dans sa carrière. Hein, lui qui a 32 ans. 32 ans, 30 ans tout court. Glidingson donc qui fait ses courses. Sa dernière course est bonne. Auparavant, il avait bien tenu sa partie. Il est régulier. Hein, le 17 février dernier, il s'était classé 5e. Il y avait ce jour-là New York Royal Flush qui était 2e. Et un petit peu plus loin, on avait le numéro 6 également, Loutanik. Bon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, il n'y a quand même pas grand chose à lui reprocher. Hein. Les deux dernières sorties, ou quoi, les quatre dernières sorties, notamment de l'année, sont tout à fait correctes à chaque fois et il a le droit d'accrocher un lot. En tout cas, le favori, quand on regarde, faut qu'il ressort de manière logique, je trouve, quand on fait un petit peu le papier, mais je ne l'ai pas fait en détail comme vous, ce sont quand même les deux duos a priori. Les deux duos, bah, ce sont les deux qui restent sur un succès. Hein. Estrenk, on en a parlé, grandissime favori, deux victoires consécutives. Notre concurrent hein, s'était imposé sur l'hippodrome de Biri, c'est Memphis Tennessee IPI, le numéro 1, qui vient de causer quand même une surprise, hein, puisque, tenez-vous bien, il y avait 24 contre 1 dans le jour de sa victoire. Aujourd'hui, on a fait appel au catch driver Eric Hoynthompt. Alors, c'était sur 1600 mètres. Hein. D'ailleurs, c'est son meilleur résultat, mais les bons résultats sont sur le mile. Aujourd'hui, on rallonge un petit peu la distance. Le numéro est bon. Et vous voyez donc les chevaux de cette troisième avec des placons. Et qui rentre en piste avec notamment alors le driver là que vous voyez, Tom-Erik Solberg. Rien à voir avec le pilote ni la joueuse de handball. Tom-Erik Solberg est loin devant hein, au classement des drivers. Hein, tenez-vous bien, il est à 8 victoires cette année sur l'hippodrome de Jarlsberg. 4 d'avance sur les principaux pilotes que sont Vidar Rop, hein, Eric Hoynthompt ou bien encore le tenant du titre, le sulky d'or en titre d'Axvenung Dalen, le jeune prodige du trot norvégien. Tom-Erik Solberg hein, qui adore l'hippodrome de Jarlsberg et il sera au sulky donc de Yawata River alors qu'on voit ici Bjorn Tangsgareb. Je dis un petit mot de Yawata River hein, qui a couru
il y a très peu de jours, hein, c'était le 30 avril dernier, à 4 jours, c'était sur cette piste. C'est le numéro 5, hein. Oui, le numéro 5, qui auparavant, hein, qui auparavant courait sur l'hippodrome de Trondheim. Hein, Trondheim, c'est tout au nord du pays, magnifique endroit pour se balader. Le niveau des courses est quand même bien moins relevé que celui dans le sud du pays. Et Hiawatha River, donc, s'est classé 7e pour son nouvel entourage, mademoiselle Charlotte Myrène Teverud. C'est pas mal la cocktail gun qu'on voit ici sur cette image de numéro 9. Oui, cocktail gun, c'est pas mal. Maintenant, il n'a pas couru depuis le 14 septembre 2019. Il vient d'effectuer nos courses de requalification. C'est un fils de cocktail jet qui a de la qualité. Hein. C'est vrai qu'il a remporté 3 de ses 23 sorties. D'ailleurs, sa dernière course, hein, était une épreuve d'un bon niveau. C'était sur 2600 mètres. S'imposer dans un lot de qualité. Maintenant, ça fait quand même long, hein, 14 septembre 2019, Laurent. Et la course de requalification, c'est une course qui a pu vraiment l'amener en condition. Bon, il a trotté 17-1 sur 2100 mètres. On voit quand même dans les messages. Mais voilà, j'ai pas pu l'avoir, hein, la course de requalification. En tout cas, il a quand même ça dans les jambes. Oh là là, regardez, baisse de cote sur le favori. Comme tout à l'heure, on est passé à 1-10. Ouais, strength. C'est violent, un 10 quand même. Hein, parce que c'est violent, hein, c'est violent. On est en Norvège, ils n'ont pas gagné 22 000 euros. C'est vrai que c'est violent, comme vous dites. C'est un 10. Là, franchement, même FaceTime Bourbon n'est pas un 10. Hein. Non. Alors qu'on voit ici le 10, c'est Global World News. Une jument âgée de 6 ans. Alors elle n'a pas couru depuis le mois de janvier. C'est une ancienne protégée de Robert Berg qui va courir pour la première fois donc de l'autre côté de la frontière en Norvège. Elle n'a pas couru depuis le mois de janvier. Et sa dernière sortie était au mois d'août. Auparavant, elle avait été deux fois déclarée non partante. Bon, pour tout résumer, je pense qu'elle doit avoir des sacrés ennuis de santé. Hein. Séverine Asbourg. Ouais, c'est pas bon signe. C'est pas encourageant. Elle avait gagné néanmoins à Berchaker avec Robert Berg au sud. Si l'échauffement du 3, ça vous plaît, ça, c'est superbe. Attendez, j'ai pas bien vu. Je l'ai pas vu au moment où vous m'en avez parlé. Alors qu'on voit ici à l'image le numéro 4. Hein. Il y a des cotes quand même. Non, le numéro 6, pardon. Lunatic avec donc le jeune Tax Venung d'Allen. Lui qui entraîne au nord, qui vient pardon du nord d'Oslo. Dax Venum Dalen, hein, c'est l'actuel tête de liste des drivers avec 73 succès. Eric Comtont en est à 61. Alors Dax Venum Dalen, il va partout. Hein. Il a déjà couru à 600 reprises cette année. Il va sur tous les hippodromes, du nord, à l'est, à l'ouest, au sud, bref. Il se déplace vraiment. Il drive le 6 là, on est d'accord. Il drive le 6, Lutanic. Alors, que dire, y a pas, les deux des trois dernières sorties sont correctes. La dernière s'est soldée par une disqualification sur l'hippodrome de Sørlandet où il n'avait pas trop de chance. Auparavant, c'était quand même assez moyen, hormis peut-être au mois de mars. Alors je voulais vous poser une question aussi, Cédric, parce que je vois que le temps tourne, le temps passe. Il y a toujours 1,10€ là pour le numéro 2 et straight, bon, qui semble être quand même une très belle chance. Mais si on veut pas jouer un 10, parce qu'un 10 c'est quand même pas très excitant, à votre avis, si on joue un autre cheval au jeu simple gagnant, on joue qui? Et éventuellement, peut-être qu'il faut faire un couplet à ce moment-là avec le 2 et un autre. Moi, j'ai un outsider dans cette course. C'est. L'autre position, c'est peut-être le numéro 9, parce qu'à 10 contre 1, un cheval de qualité, ça se tente. Donc, ou on peut jouer le 9 gagnant contre le 2, ou alors on peut faire le 2 et le 9 en couplet, peut-être. Oui, le fils de Cocktail Jet, dont on parlait tout à l'heure, qu'on a vu s'échauffer, qui n'est pas mal, qui n'a pas couru depuis 2019, mais qui a effectué une course de requalification en 1-17, c'est ce que vous avez dit. Et attention à celui-là, ce numéro 3, celle-là, son superbe. Ce superbe, c'est la championne de Bergen. Elle a remporté les 10 courses de sa carrière sur cet hippodrome. Alors Bergen, c'est magnifique. Ah oui, elle a gagné 10 fois sur cet hippodrome. Oui. Sur Bergen, ouais. À Bergen, pas Jarlsberg. Ah d'accord, pardon. Okay. Elle vient d'ailleurs, elle vient de là-bas. C'est une concurrente qui a du fond. Du 3 qui s'est montrée extrêmement courageuse dernièrement parce qu'elle a évolué le nez au vin à Chevalla. Oh, et
Allez-y Cédric, je réagis parce que regardez la cote du 2. Elle est remontée, la cote du favori à 2. Ça fait des yo-yo. J'ai pas compris le coup du yo-yo là. On passe de 1-10 à 2, de 2-1. Un jeu qui est annulé. Il y a peut-être un gros pari qui circule qui, en effet, a pu être annulé. On va voir ce qui se passe dans quelques instants. Petite chance pour les places. Et le numéro 8, New York Royal Flush. Qui n'a jamais pu s'exprimer dernièrement sur l'hippodrome de Biarritz dans un lot qui était plus relevé, n'ayant pas gagné. C'était un petit peu moins relevé, n'ayant pas gagné 175 000 couronnes, là c'est 220 000 couronnes. Pourquoi pas, tout à l'extérieur. Mais c'est une course quand même assez ouverte où derrière Estrinck, c'est un petit peu chacun les siens. Estirado a gagné sur le parcours également, le 4. Donc vous voyez, ils ont tous un point positif dans leur candidature. Derrière Estrinck qui a quand même gagné deux fois très plaisamment. Et Estrinck qui repasse à 1-10. Voilà. Alors attendez, je vais vérifier tout de suite pour voir si... Contre, Olaf Mikkelborg, il ne va pas falloir qu'il fasse comme dans la première. Hein, parce qu'il est parti vite et il a fini dans un platane. Ouais. Alors je vous confirme, je pense qu'il y a un ticket qui a été annulé dans un premier temps, puis qui n'est plus annulé maintenant. C'est pour ça qu'on est retombé à 1-10 par rapport au... aux enjeux que j'ai sur les pistes. C'est vous qui vous amusez avec votre tablette. C'est pas moi. Allez, on va partir. Allez, le favori Estrinck qui part très vite. Hop, 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 hop. Il va falloir qu'Olaf Mikkelborg tienne quand même ses rênes. Et le numéro 2, Estrinck qui part très très vite et qui va s'installer sans doute au commandement avec le numéro 5, Yawata River, drivé par Tom-Erik Solberg. En troisième position, le numéro 1, Memphis Tennessee. Et ces trois-là devant encore le numéro 3, Saut Superbe qui évolue, le Néo-Vent piégé sur un quatrième rideau. Nous avons le 9 Cocktail Gun MI, alors que Global World News est retombé encore dans ses travers et est au galop à l'arrière-garde. Début de ligne opposée avec Estrinck, le cheval danois, d'origine danoise, qui a l'avantage avec Olaf Mikkelborg. Dans son sillage, Memphis Tennessee, deux favoris aux deux premières places. Sur un troisième rideau, vient le numéro 5, Yawata River, avec le 3, Saut Superbe. Un petit peu plus loin, Loutanik. Le numéro 6, accompagné côté corde de Cocktail Gun Amy. Alors qu'à l'arrière, nous avons le 8, New York Royal Flush, avec également le numéro 7, Gliding Sun. Également le 4, Estirado, qui trotte à l'arrière-garde. On va bientôt faire finir le premier tour et Estrinck, le numéro 2 qui a l'avantage. Le Néo-Vent, c'est toujours le numéro 3, Saut Superbe. En troisième position, Memphis Tennessee. Les positions qui n'ont guère varié. Que va faire Lars Anverkole? Il ne met pas la pression pour le moment sur Olaf Mikkelborg qui contrôle. Toujours le numéro 2, Estrinck qui est au commandement. Avec dans son sillage l'As, Memphis Tennessee. Le 3, Saut Superbe est toujours le Néo-Vent. Et ramène le numéro 6, Loutanik. Dax Venundalen là se sert de ses adversaires alors que le numéro 8, New York Royal Flush, est au galop et perd énormément de terrain à l'arrière-garde. Le 10 est pour l'instant en dernière position. On va aborder les 800 derniers mètres avec toujours Estrinck à l'avantage. Le numéro 3, Saut Superbe, qui est toujours une longueur à son extérieur devant encore Memphis Tennessee. Attention à Loutanik qui a eu un bon parcours sur un troisième rideau. Yawata River, le numéro 5, alors que l'allure s'accélère là où Olaf Mikkelborg ne veut pas se faire surprendre sur un sprint et il ouvre les mains pour demander à Estrinck d'accélérer une nouvelle fois. Estrinck au bout de la ligne opposée qui a toujours l'avantage devant le numéro 3, Saut Superbe, en troisième position Memphis Tennessee et ces trois là devant encore Loutanik et ses quatre concurrents qui ont pris de longueur d'avance. Maintenant sur le 5, Yawata River qui ne peut plus lui répondre alors que le 4 va tenter de quitter les dernières en faute de Loutanik qui était en quatrième position. Plus qu'un trio maintenant dans la sortie du tournant final avec Estrinck le numéro 2 qui se détache, le numéro 3 qui a fait beaucoup d'efforts, Saut Superbe voit venir maintenant Memphis Tennessee en deuxième position. Début de ligne droite pour Estrinck, le numéro 2 qui a peut-être créé la décision devant encore l'As Memphis Tennessee en troisième position. Le 3, Saut Superbe qui se relance, le numéro 2 Estrinck et Olaf Mikkelborg, l'homme de Blue Fighter, qui s'impose. La deuxième place très disputée entre le 3 qui est à la photo avec l'As et un petit peu plus loin c'est le 4 Estirado qui est quatrième. Deux photos assez 3 pour la deuxième place. Ah, Estrinck qui s'impose, cote très basse de 1,10€ en finale, c'est ce que j'ai moi de mon côté, je sais pas si c'est ce qu'on va nous confirmer. Indice, et oui. C'est le 3. Ouais. Saut Superbe qui semble être deuxième devant Memphis Tennessee. Et ensuite, vous nous avez dit c'est le 4 qui serait quatrième. Oui, c'est Estirado. Okay, avec son driver, sa casaque bleu clair. Il doit être un petit peu déçu, Eric Compton, parce qu'il a buté dans le dos de Olaf Mikkelborg. Et du coup, ça a permis à Saut Superbe qui avait un boulevard. Vous allez voir aux abords du poteau. Regardez, Olaf Mikkelborg qui se retourne. Bon, voilà, il a gagné. Il ne va plus commander, donc du coup son partenaire se reprend. Et du coup le 3
je pense, Chip la deuxième place. Ah, c'est dommage. Regardez. Merci Cédric, en tout cas. À tout à l'heure. C'est plus bénéfique quand tu l'as payé 4 fois. Et Srenk qui s'impose à 1,10€, une cote qui paraît quand même un peu exagérément basse. On continue avec Olivier, Nantes, quatrième course. Bravo pour Avril au manoir tout à l'heure. C'est bien vu. Hein. Merci. Là, c'était pas 1,10€, c'était 6€, je crois, en cote finale ou 5€. 5, je crois. Ouais, c'est bien. La quatrième maintenant. Ouais, c'était handicap de petite catégorie, sans trop de certitude. Hein. Ce sont de petites valeurs, donc il faut s'attendre à tout. J'essaye un couplet gagnant placé, mais sans certitude, avec une grande rentrante. Queen City n'a pas couru depuis très longtemps, mais elle avait montré quelques moyens intéressants l'an dernier. Le numéro 3, Goutte de Lune, qui a tracé une belle fin de course. Bon, elle ne répète pas toujours, mais sur sa dernière course, on peut lui faire confiance. Et puis Fanzone, qui sera peut-être plus à son affaire sur le gazon qu'en dernier lieu à plusieurs reprises sur la PSF. Donc As-3-6 pour cette combinaison en couplet gagnant placé. Je garde les trois mêmes en trio et puis j'ajoute deux autres concurrents, le numéro 4, Bayview. Et puis également le numéro 6, le 10, pardon, qui n'est autre que Bacon Towers, qui là encore a bien terminé l'autre jour. Très bien, tout ça en trio flexi, 50%. Ouais. Merci Olivier, on va retrouver donc Nantes tout de suite pour ce handicap qui s'annonce quand même assez complexe à étudier. On compte sur Vincent et Stéphane. On est payé, mais je vois pas très bien. Effectivement, Laurent, retour ici à Nantes donc pour ce handicap. Vous le disiez, une course ouverte, course dans laquelle le numéro 5, Zofron, a été déclaré non partante. Et on va tout de suite vous proposer une course de référence, hein, une course de référence intéressante qui concerne Georginella, le numéro 8, hein, qui est la favorite. Mais vous voyez, timide favorite, hein, puisqu'elle est proposée à 5,30€. Georginella qui vient de bien se comporter au Lion d'Angers dans un handicap dont elle a pris la deuxième place. Elle avait fait ce jour-là illusion pour la victoire, mais finalement, elle va être dominée par Eva Glitter. C'est Eva Glitter, hein, qui va vraiment s'imposer avec un certain style, mais vous voyez, la fin de course de Georginella est bonne et cette sortie lui confère une chance des plus régulières ici. Georginella qui est présentée par Fabrice Fouché, hein, et qui a pas mal de références de l'handicap. Alors en revanche, contre elle, de découvrir la piste de Nantes, on le répète souvent, hein, mais ici à Nantes, dans les handicaps notamment, il faut faire confiance aux chevaux qui ont des bonnes références. Georginella n'en a pas, mais elle en aura peut-être dans quelques minutes. Retrouvons Stéphane pour des infos. Oui, il y a un homme qui est quadruplement représenté, c'est Christophe Plisson. Alors j'ai fait un tour d'horizon de ses partants, Goutte de Lune. Alors, on sait très bien que Goutte de Lune, c'est une très très bonne finisseuse qui aurait préféré une piste beaucoup plus souple. C'est une bonne finisseuse qui peut accrocher un accessit. Si le terrain avait été très souple ou lourd, il aurait été hyper confiant, Christophe Plisson. Il aime beaucoup le numéro 10, Bacon Towers, qui a été gêné lors de sa position de sortie. Mais quand on fait le papier, Bacon Towers par rapport au numéro 9, Killing Joe, qui court également cette course, elles sont toutes les deux indissociables. Donc 9 et 10 sont capables de faire l'arrivée. Et contrairement au numéro 3, Goutte de Lune, le terrain va leur convenir. Et en ce qui concerne Bellobog, ben écoutez, c'est lui qui décide. Voilà. S'il est décidé, il peut finir dans les 4 premiers. S'il n'est pas décidé, il finira en queue de peloton. Donc pour résumer, le 9 et le 10, ça semble être, d'après Christophe Plisson, ses deux meilleures chances dans cette course. D'accord, bon, c'est intéressant parce que Goutte de Lune est plus joué. Hein. Goutte de Lune qui est quasiment co-favori de la course à 5,80€. Alors, bon, on va voir comment ça va se passer. Mais la dernière sortie, en tout cas, de Goutte de Lune est tout à fait bonne, hein, au Lion d'Angers le 19 avril. Elle s'est classée 3e ce jour-là en étant battue finalement de pas grand-chose par Goutte de Lune et Zahir. Il y avait demi-longueur entre le vainqueur et Goutte de Lune. C'est vraiment une sortie qui est bonne, 5,40€. Mais si l'on traîneur est plus confiant avec l'autre, et eh bien on peut lui faire confiance. Le numéro 2, c'est Prédétermined, qui est proposé une cote d'outsider 16 contre 1, Stéphane, pour ce cheval qui a couru deux fois cette année de façon moyenne. Ouais, c'est un cheval qui avait gagné, souvenez-vous, sur la piste de Longchamp avec un très bon numéro de corde, sur une piste bonne, avec Arnaud Bourget qu'il retrouve aujourd'hui. En 25 de valeur, là il est en 25,5 de par le fait qu'il a été descendu sur l'échelle des valeurs. Maintenant, c'est ce que m'a dit Jacques Bertin, avec son numéro de corde, le 14, on va le monter parmi les derniers pour le détendre, parce que c'est un cheval qui a tendance à tout de suite embrayer, à tout de suite avoir de l'action. Et donc Predeterminated va être monté parmi les derniers. Alors si ça va trop vite, lui peut venir finir chercher pour venir chercher une place éventuellement. Mais voilà, il aurait préféré un numéro un peu plus à l'intérieur, le monter dans le groupe de tête, 4-5e le long du rail. C'est souvent une tactique payante ici. Donc voilà, le numéro 2 va attendre. Maintenant par contre il arrive dans une zone de poids, il devient très très compétitif. Hein. C'est le numéro 2, donc voilà, il y a du pour et du contre concernant
l'élève de Jacques Vert. Et on retrouve ici au Panthère celle qui est la co-favorite de la course, Georginella. Panthère intéressant, peluche assez dynamique. Le jument même jusqu'à la 5 ans maintenant, cette Georginella. L'écharpe blanche, c'est celle de Beacon Tower, c'est le numéro 10, qui est confié à Maximilien Justum. Elle est une pouliche, elle a 4 ans cette Beacon Towers. Elle reste sur une bonne sortie à Compiègne, qui lui confère vraiment une très bonne chance ici. C'est une concurrente qui a déjà pas mal d'expérience, Beacon Towers. Elle a couru à 20 reprises, elle a été entraînée auparavant par Mathieu Boutin. Retrouvons de nouveau Stéphane. Oui, concernant Georginella, souvenez-vous, la fois dernière, le terrain était à la convenance de Georginella. Il ne faut pas que la piste lui colle aux pattes. Si c'est très souple, collant, une PSF éventuellement qui est un peu trop huileuse. Elle aime pas ça, Georginella, donc la piste normalement devrait lui convenir. Maintenant, le numéro 13, c'est pas à son avantage, mais elle est fiable. Voilà, si la piste, et même si elle découvre Nantes, c'est une concurrente sérieuse pour l'une des quatre premières places, ce numéro 8, Georginella. Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à Olivier Thomas, par rapport à l'As Queen City. Alors, c'est hein. C'est une femelle de 4 ans qui va affronter ses aînés pour la première fois. Elle est quand même absente depuis le mois de juillet. Une grande absence, mais bon, les curieux de Gaulard est en forme. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'elle a besoin d'être à 100% pour éventuellement finir dans les 4 premiers de cette course? Moi, je suis de l'avis d'Olivier Thomas, parce que les lots qu'elle a affrontés l'an passé lorsqu'elle avait 3 ans, c'était des chevaux qui étaient en 33, 34, en 35. 36 de valeur. Là, elle se retrouve ici en 23,5. Maintenant, j'ai vu son modèle, elle est assez bien portante. Alors, peut-être pas suffisamment affûtée pour la course d'aujourd'hui, mais en qualité intrinsèque, Olivier a raison. Elle doit normalement finir dans les 4 premiers de cette course. Sur ce qu'elle a montré l'an passé. Alors, attention, c'est une première face à ses aînés quand même cette année, et c'est une rentrée. Et elle découvre Nantes. Oui. Alors, 23 interrogations, mais si vous tenez compte de la décharge, hein, parce qu'en fait elle est en 26 de valeur. Oui, tout à fait. Oui, 26, mais avec la décharge, moi je compte toujours la décharge. Mais je pense que ça peut lui ouvrir la porte de la 3e, 4e place. Vous voyez parce que, je le répète, c'est elle qui l'an passé a couru dans les meilleurs lots, même si ce n'était que des 3 ans, par rapport à ce qu'elle affronte aujourd'hui. Bayview a les œillères traditionnelles pour la première fois. Jackie Nicolo est en très bon parcours la fois dernière et puis elle n'a pas été trop saignante. On lui met aujourd'hui les œillères traditionnelles. Voilà, elle est dans sa catégorie, elle peut prendre une place si toutefois elle est plus volontaire dans la phase finale, ce numéro 4. Alors si vous voulez les retrouver avec les chevaux de Christophe Pisson, il y a pas mal d'écharpes. Écharpe violette pour Kinning Zoé, le numéro 9. Écharpe blanche donc pour Beacon Tower, ça je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Écharpe bleue pour le numéro 11, Bellobog. Alors verte, moi dit-on pour Bellobog. Donc violette pour Kinning Zoé, blanche pour Beacon Towers, verte pour Bellobog et écharpe bleue pour Peintre Français qui fait écurie avec Saga des Dream cette fois-ci. 2 minutes avant le départ de la 4e. Ça baisse pour le numéro 8 de Georginella. Stéphane nous a parlé il y a quelques instants. 4,10€ maintenant. Elle qui pourra compter sur Alexandre Roussel. Et par cœur évidemment ses pistes de l'Ouest et notamment Nantes. Ça c'est stable en revanche pour Goutte de Lune. Alors on vous rappelle qu'on a eu une info positive pour Goutte de Lune puisque son entraîneur a des préférences pour d'autres de ses pensionnaires dans cette course. Là on voit le numéro 13. Peintre français qui doit effacer ses récentes sorties qui ne sont pas bonnes. Une longue absence, le cheval a couru 2 fois. On a peut-être encore besoin de courir sans doute même avant de refaire parler de lui. C'est le doyen de la course, il a 11 ans, peintre français. Vous voyez au premier plan le numéro 6 Fanzone qui est présenté par Ludovic Gabin. Bon, qui fait une rentrée, on n'a pas revu depuis le 27 janvier. Ses dernières sorties ont eu lieu sur la PSF de Pornichet. Saga des Dream, autre atout de Benjamin Legros. Saga des Dream qui s'est classé 7e à Fontainebleau le 24 avril. Le parcours était bon ce jour-là. La cote est intéressante, 15 contre 1. Ça peut être un pari spéculatif. Bellobog. Kinning Zoé maintenant, qui est confié
confié à Ludovic Boisseau. Et Zoé qui a bien couru à Compiègne en devançant Beacon Towers, hein, qu'elle retrouve. C'est deux pouliches, hein, qui semblent dur de bien faire ici. Et on 9 et 10, 6 contre 1, 9 contre 1. Tardez plus à jouer parce que l'entrée dans les stalles va vite. Que 4 en dehors des stalles. Parmi ceux-là, il y a le numéro 7, Lloyd, qui est présenté là encore par Benjamin Legros. 11e à Compiègne le 23 avril et auparavant une 4e place à Senon. 4e place qui était bonne. Chloé Gendron, qui porte l'heure de Marie Bosch. La Beacon Towers. Plus que deux à rentrer dans les stalles. Tour maintenant, celle qui est la favorite, Georginella. Et les voilà partis pour la 4e, 2e épreuve du handicap divisé disputé sur 1600 mètres. Des chevaux d'âge au départ de cette course, et c'est Lloyd, le numéro 7, hein, qui a pris le meilleur départ et qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. Bon départ également à son intérieur du numéro 14, Ferking Autrechaine, qui vient en 2-3e position, accompagné par Queen City, l'As. Ensuite vient le numéro 4, Bayview, et donc 4e, alors que Peintre Français, le doyen de l'épreuve, vient en 5e position, avec pas très loin le numéro 11, Bellobog, qui patiente 6e environ. Juste derrière, on retrouve le numéro 12, Saga des Dreams. Le 6, Fanzone, patiente à l'arrière, devant notamment Georginia, la favorite, hein, qui se retrouve parmi les derniers. C'est le numéro 2, Prédétermine, qui est en dernière position. On voit également parmi les chevaux qui patientent le numéro 10, Beacon Towers, qui est en avant-dernière position. Les concurrents sont dans le tournant final, avec toujours en tête le numéro 7, Lloyd, en deuxième position. Le numéro 1, Queen City, troisième place à l'intérieur pour le 4, numéro 4, Bayou, qui semble patienter avec des ressources. Ensuite, on retrouve les chevaux de Christophe Bisson, qui tente de se rapprocher, avec notamment Bellobog, qui est là avec des ressources en 5-6e position. Puis on voit également Goutte de Lune, le numéro 3, qui tente maintenant de refaire un petit peu terrain et qui va progresser à l'extérieur. Les concurrents s'approchent de l'ultime ligne droite, avec toujours Lloyd qui a l'avantage à son extérieur. Bayview vient maintenant en 2e position. On voit à l'extérieur également le numéro 9, Killing Zoé, maintenant qui se rapproche très vite et qui vient lutter pour les premières places. Il reste environ 300 mètres à parcourir, avec Lloyd qui tente de repartir devant Bayview, qui est là en 2e position, avec à l'extérieur Killing Zoé, le numéro 9, qui lutte pour les places. Et puis à l'extérieur, Prédétermine, qui refait beaucoup de terrain après avoir patienté à l'arrière du peloton. Il reste environ 100 mètres à parcourir, avec Lloyd qui est toujours là aux avant-postes, mais qui est dépassé par Prédétermine, qui va s'imposer. Prédétermine qui s'impose dans cette course. La 2e place probablement pour le numéro 9, Killing Zoé, devant le numéro 7, Lloyd, qui sera 3e. Et le numéro 2, Prédétermine, on l'a monté dernier, voilà, et il avait gagné en 25 de valeur avec Arnaud Bourget. Il est en 25,5, il est arrivé dans une zone de poids qui était bonne. Il s'est baladé, hein. il est venu du dernier rang, premier rang très facilement. Ensuite, il est très pointu pour la 2e place entre le 9, Killing Joey, et le numéro 7, Lloyd. C'est très serré. Puis la 4e place pour une autre élève de Christophe Lisson, c'est le 10, Beacon Towers. Donc victoire du 2, photo 7-9 dans l'ordre du programme. Et 4e place pour le 10. Ouais, 2, 9, 7, 10 et 8. Hein, il n'y a même plus photo, Stéphane. Le numéro 9, Killing Joey, prend la 2e place. Le succès revient donc à Prédétermine, qui a longtemps patienté à l'arrière du peloton. Un cheval entraîné par Jacques Bertin, confié à Arnaud Bourget, qui s'impose pour la 6e fois de sa carrière. Son dernier succès, c'était en septembre dernier à Longchamp. 2, 9, 7, 10 et 8. À tout à l'heure pour la 5e ici à Nantes. Merci Vincent, à tout à l'heure. En effet, Prédétermine qui s'impose, Casac Bertin, élevage Bloodstock LLC à l'honneur dans cette épreuve, et donc le duo Bertin-Bourget. On fait une parenthèse rapide pour vous parler du quintet de Vichy. Vous savez que c'est l'ouverture de Vichy aujourd'hui. Le quintet, c'est à 13h50. Et si vous voulez suivre dès maintenant les hits, eh bien regardez, vous allez sur Racing 1 avec notre application, et vous pouvez retrouver les hits du quintet. Je vous rappelle que l'application est gratuite, téléchargez-la. Vous pouvez comme ça naviguer d'un hippodrome à l'autre et puis revoir également, avoir beaucoup d'autres informations, revoir des courses de référence et avoir d'autres indications. Donc tout ça pour vous dire, allez sur Racing 1, application Equidia, et vous allez pouvoir suivre donc tous ces hits qui ont lieu actuellement en direct à Vichy. On va poursuivre nous tout de suite avec une nouvelle course en Norvège. On va se tourner vers Cédric, puis on va vous donner une petite info. Parce que tout à l'heure, je vous le dis maintenant en même temps, tout à l'heure, vous savez, on se posait la question, vous voyez le cheval qui passait de 2 à 1,10€, le gagnant de la course d'avant, puis ensuite de 1,10€ à 2, on se posait la question, on se disait, mais est-ce que quelqu'un annule ses tickets ou pas?
En fait, la raison est tout autre. En Norvège, on a eu cette information. En Norvège, il faut savoir que quand un cheval passe sous la barre des 2 euros, dès qu'il arrive à 1,90 euros, bien par défaut, il est indiqué 1,10 euros sur le bandeau des cotes. Donc le cheval peut être à 1,90, à 1,80, à 1,70, à 1,60, à 1,50, à 1,40, à 1,30 ou à 1,20. Eh bien, il sera affiché 1,10. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre comme système. On n'est pas habitué à ça en France. Donc en fait, ne soyez pas surpris si vous voyez un cheval en Norvège passer à 1,10, c'est qu'il est passé à 1,90 ou à 1,80, en tout cas qu'il est sous la barre des 2 euros. Et c'est pour ça qu'il passait de 1,10 à 2 euros. Alors c'est vrai que pour la visibilité au niveau de du pari, c'est un peu particulier, mais bon, c'est la spécificité norvégienne. Donc voilà les raisons de ces mouvements de cote. Et pour finir, la gagnante de la course d'avant a été payée finalement 1,80 €. Donc c'est l'explication donc de ces mouvements. Je vous propose qu'on retrouve Cédric, puis on va être vigilant maintenant sur ces points-là concernant la Norvège. On retrouve Cédric. Pour être complet et précis, c'est surtout un problème de transmission dans l'affichage hein, avec la masse commune. C'est pour ça que vous voyez que le bandeau des cotes, il n'y a aucune cote entre guillemets décimale. Ce sont que des chiffres entiers, des nombres entiers, pardon. En tout cas, maintenant on saura que si on voit un cheval tomber à 1,10 €, ça ne veut pas forcément dire qu'il est à 1,10 €. Il peut être à 1,60, à 1,70, à 1,80. Quoi. Là, il faudra. Vous aurez peut-être d'ailleurs les moyens de nous donner l'indication, Cédric, dorénavant. Oui, tout à fait. On va se charger de vous donner ça. Alors, on continue. Ben, par exemple, le numéro 10, Zar Lakshmi, qui est proposé à 3. Finalement, c'est 3 contre 1, hein, parce que je vois que là-bas, il est proposé à 4,90 en Norvège. Donc, 49, 69, ça doit être 3,90. 46, en tout cas, c'est 3,90 ou 4,90. Et vous voyez les déférés des antérieurs. Ce sont les numéros 3, 4, 6, 8 et 9. Zar Lakshmi, le numéro 10, donc entraîné par Morten Ottersen sur l'hippodrome de Biri, drivé par Eric Omtomt. C'est un concurrent qui est né en Italie, qui a débuté sa carrière en Hollande, qui est parti ensuite au Danemark et depuis la fin de l'année 2020, il est désormais en Norvège. Il s'est imposé sur l'hippodrome de Biri au mois de février. Il vient d'effectuer une bonne semi-rentrée après 2 mois d'absence. Et ce qui est intéressant, c'est que le lot qu'il affrontait ce jour-là était de bonne facture. C'était pour n'ayant pas gagné 7200 euros. Aujourd'hui, on est dans une course où il ne faut pas avoir gagné 6500 euros. Et en plus, Laurent, il ne faut pas avoir plus de 500 points. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment avoir des performances arrêtées lors des 5 dernières courses. Je vous ai expliqué dans la première. Ouais, vous nous avez expliqué, c'est un peu comme le système ATP. Hein, voilà, exactement. Vous nous expliquiez tout à l'heure. Comment voyez-vous les choses ici? Qui voyez-vous en priorité? Le problème, c'est que je vois des concurrents de la deuxième ligne, donc ça ne va pas être facile à déchiffrer. On peut rappeler combien ils sont en première ligne? 108. C'est ça, hein. Donc en seconde ligne, on aura les numéros 9, 10, 11 et 12. Et Zar Lakshmi, qui a battu néanmoins une concurrente qui se nomme Faradiba. Et Faradiba s'est classée 3e derrière le numéro 4, Lollipop Leide. C'était le 19 avril dernier. Donc on voit que ces deux-là sont quand même à valeur à peu près égale. Hein. Et Lollipop Leide, le numéro 4, vient de très bien se comporter, donc on le disait, sur l'hippodrome de Biri. Elle va découvrir la piste de Jarlsberg. Et Lollipop Leide vient de courir quand même dans un lot qui était bien plus relevé. Donc je trouve que les numéros 4 et 10 ont quand même une très belle carte à jouer. Alors je vous laisse développer, on est à 5 minutes du départ. Alors, on va essayer bien sûr d'aller directement vers ceux qui vous semblent être les priorités et nous expliquer pourquoi. Priorité dans cette épreuve, il n'y en a vraiment pas une qui se détache. Quoi. Ils ont pas mal d'atouts. Le numéro 11, il est derrière pas, qui a gagné 2 fois sur l'hippodrome, le très champêtre hippodrome de Montmarquen. La dernière fois, il a voulu monter de catégorie son entraîneur, hein, Per-Ola Guifel, qui entraîne sur place, sur l'hippodrome de Montmarken. Il a voulu courir à Oslo, le lot était bien plus relevé. Il revient aujourd'hui dans une catégorie qui me semble quand même à sa portée.
ce numéro 11. Il est derrière pas, alors qu'on voit un très beau canter de Quality Princess. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une concurrente qui est assez intermittente dans ses performances, qui effectue une semi-rentrée, pas courue depuis le mois de février, où c'était assez moyen. Et finalement, si on la juge sur ses performances de la capitale à Oslo à la fin de l'année 2020, je trouve quand même qu'elle a une bonne chance. Les performances entre deux sont un peu moyennasses, mais là, je l'ai trouvé tonique, la petite Quality Princess. Ici, à l'image, c'est Magnus Ten Gundersen avec El Paso Junior qui a... Sinon, mais 6, 7, 8, 9... A une petite chance, je trouve, 14 contre 1, hein, c'est pas non plus folichon. Bon, ça mérite pas moins, hein. Alors que la pluie s'abat et que vous voyez ici Silver Blixt, le numéro 1, qui n'en a pas couru depuis le mois de janvier, qui a gagné lui aussi sur l'hippodrome de Montmarquen. Le niveau est peut-être quand même un petit peu moins bon. En tout cas, tel que vous nous l'avez expliqué... Comme vous nous l'avez expliqué, pardon, par rapport aux courses précédentes, là, on n'a pas de favori, il n'y a pas de 1,10€ hein, pour le coup. Non. Le favori, c'est Zarlaxmi, hein, proposé aux alentours des entre 4 et 5. Vous avez envie, vous iriez vers qui? Vous auriez envie d'aller vers qui, au jeu simple? Sur Zarlaxmi, malgré son numéro 10, j'ai envie de faire confiance au driver chevronné. Il est ici à l'image. Ici à l'image, oui. Donc ce serait votre choix au niveau du jeu simple. Oui, alors qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur le numéro 9, Sweet Caroline. Alors Sweet Caroline qui a devancé Lollipop Lady. Sweet Caroline, c'est quel numéro déjà? Numéro 9. D'accord. Numéro 9, qui est en forme, qui redescend de catégorie également, puisque c'était un petit peu plus relevé la dernière fois. On la voit ici à l'image avec les œillères coulissantes. Elle trouve un très bel engagement. Elle a gagné deux fois ici. Ça remonte un petit peu, c'était au mois de janvier de l'année passée. Mais bon, tout se présente bien également pour le 9 Sud Caroline. Voilà, 19, hein. J'ai pas inventé grand chose. Il y a le 4 qui vient de passer co-favori à son tour. Oui, Lollipop Lady qui a fait partie, voilà, des concurrents vus, tout comme le 3, Alpha Crone. Une cote également assez basse pour Alpha Crone, le poulain de 4 ans. C'est un concurrent qui trouve pas non plus un engagement très favorable. Hein, parce que la dernière fois, la rentrée était dans une course moins relevée. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'épreuve est assez fermée. Son driver, Christian Malmin, s'est confié à la presse norvégienne. Il s'est montré assez satisfait de la rentrée après plus de 6 mois d'absence. Et regardez, là, on a un quatrième concurrent qui vient de s'aligner à 5 euros. C'est le 11. Oui, bah oui, ils sont tous à une cote identique. Hein. C'est assez rare quand même, ça. Oui. Alors, je vais vous donner la décimale. 5,51 pour le 9, 5,70 pour le 11, 5,74 pour le 10 et 5,55 pour le 4. Voilà. Les petites subtilités. C'est la petite subtilité. Et ça bouge sans cesse. Hein. C'est rafraîchi toutes les 15 secondes. Donc, en tout cas, vous allez. Côtes, je vais faire que ça. Vous allez sur le 10, hein, en tout cas. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on retient. Ah, il y a un mini multi hein, dans cette course. Vous iriez sur qui en mini multi? Bah, le 10, Zarlaxmi de base, Sweet Caroline, le 9 de base. Puis après, je sais pas s'il faut trouver une troisième base. Ah, c'est mieux. Je trouve que Alcélise, le numéro 2, qui est âgé de 11 ans, qui a gagné 5300 euros dans sa carrière, qui a couru par contre que 17 fois parce que Alcélise a fait une rentrée le mois de septembre. 3 ans. Hein. C'est pour ça qu'à 11 ans, il n'a pas beaucoup couru. Exact, qu'elle n'a pas beaucoup couru. Elle n'a pas beaucoup couru, pardon. Exactement. Une fille de R. Jagermeister. Et vous la placeriez dans un mini-multi sur non. numéro 2? Non, d'accord. Donc 10 et 9 en priorité, les bases, semble-t-il, quand même pour cette course. Et après, il peut se passer pas mal de choses. Exactement. La rentrée de William Viking était moyenne. Concurrent qui a eu des ennuis de santé parce que deux fois déclaré non partant, hein, au mois de février dernier. Moi, je me méfierais quand même de Sweet Caroline, peut-être en couplet avec le 10 Zarlaxmi. Voilà, mes deux préférés, c'est le 9 et le 10. Allez, on va bientôt partir. La seconde ligne est à suivre de très près. Vous nous dites s'il se passe quelque chose, Cédric, bien sûr, en seconde ligne. Bah, il est très loin, j'ai l'impression, notre ami Erland Renesvik, là. Peut-être qu'il se bouge un petit peu.
ils sont très loin. Hein. Eric Compton. Les deux là qui sont loin, c'est qui? C'est le 10 et le 9. D'accord. Bah, ça va, ça va, ça ralentit devant. Oui, les deux favoris. Là, ils vont arriver trop vite finalement. Mmh. Allez, départ imminent. Alors, Renesvik hein, qui fait un déplacement quand même. Hein. Il n'est pas de la porte à côté. Hein. Il est au nord d'Oslo. Fait un petit bout pour venir pour cette épreuve et le départ qui est imminent. Et la voiture qui accélère donc les très bons départs de Gunnar Ostervoll avec le numéro 7 Spoton. Bon départ également pour Hans Storus au sulky de Lollipop Lady. En troisième position le numéro 8 El Paso Junior. Ces trois là devant encore à l'extérieur le 12 Quality Princess hein, qui semble dans de bonnes dispositions. Alors qu'on retrouve un petit peu plus loin le 2 Alcellis avec également le numéro 5 The Spy Who Loved Me qui est pour l'instant au milieu d'un peloton qui est quand même assez étiré. À l'arrière duquel on voit William Viking, le numéro 6, alors que le numéro 10, Zarlaxmi, va tenter maintenant de profiter d'un ralentissement pour progresser. Eric Compton, là, qui demande vraiment un bel effort à son partenaire d'origine italienne. Le bout de la ligne opposée pour la première fois, et c'est Spoton qui a l'avantage, avec désormais Zarlaxmi qui vient en deuxième position. Que va faire Eric Compton? Il continue à accélérer ou va se poser aux côtés de Gunnar Ostervoll qui est décidé à garder la tête. Gunnar Ostervoll et Spoton devant encore le numéro 4 Lollipop Lady. En troisième position le néo-vent Zarlaxmi qui a pris du coup une bonne place. Et ces trois là devant encore le numéro 8 El Paso Junior avec un petit peu plus loin The Spy Who Loved Me et Vidarop. Faute du numéro 8 El Paso Junior qui perd la cadence. Seconde moitié du peloton, on voit Christian Malmin avec Alpha Kron qui passe désormais en 6-7e position alors que Quality Princess plonge à la corde et qu'il y a toujours à l'arrière les numéros 9, 11 et 6. Dernier tour de piste pour Spoton qui a toujours l'avantage. Dans son sillage, le numéro 4, Lollipop Lady. Troisième position, le néo-vent pour Zarlaxmi. Toujours ces trois là devant Quality Princess, le 12, avec également The Spy Who Loved Me. Pour l'instant, pas d'attaque. Si, c'est Erland Renesvik hein, qui est décidé à accélérer. Mais devant, on va réaccélérer également avec le numéro 7, Spoton. Spoton au début, la ligne opposée qui a l'avantage devant Lollipop Lady. Alors que le numéro 10, Zarlaxmi, a trotté le néo-vent depuis pas mal de temps. Et va tenter de se relancer. Mais ça va pas être évident parce qu'il a fait déjà un bel effort. Le 12, Quality Princess et Björn Tansgaret qui va tenter de se décaler. Mais pour l'instant, bien très vite. Avec le numéro 9 qui est Sweet Caroline également, alors qu'à l'extérieur, il déperriait pas, tente de progresser. Gunnar Ostervoll, il regarde derrière et pour l'instant, il a facilement l'avantage devant le numéro 4, Lollipop Lady, qui est dans son sillage. Ça devient difficile pour Zach Lesmi qui va tenter de se relancer, alors qu'il déperriait pas maintenant, tente de venir en troisième épaisseur avec le numéro 9 est complètement ligoté. Bientôt la sortie du tournoi final. Spoton, est-ce qu'il a gardé encore des ressources, Gunnar Ostervoll? En tout cas, il va demander le maximum à son partenaire à qui débouche les oreilles. Avec le numéro 7, Spoton qui a l'avantage, Lollipop Lady qui peut pas s'exprimer, il est battu. Le 10, alors qu'à l'extérieur il déperdit pas, tant de finir de plus en plus fort, mais c'est toujours Spoton le numéro 7 qui a l'avantage d'attaquer par Lollipop Lady. Lollipop Lady le numéro 4 aux abords du poteau face à Spoton. Photographie pour le succès, photographie également pour la troisième place entre les numéros 11 et 12. Allez, on regarde le passage du poteau une nouvelle fois avec vous, Cédric. Photo 7-4 et photo 11-12. Préférence? Il n'y en a pas. Ah, le 7 quand même. Le 7 devant le 4 et derrière peut-être le numéro 11 puisque la pauvre Quality Princess a buté dans le dos de Gunnar Ostervoll. 7, 4, 11 et 12, voilà pour l'arrivée de cette quatrième course sur les aires de photographie. Spoton qui a pris tout de suite la direction des opérations et qui s'impose sans doute du minimum. Voilà, et puis Cédric, bah, c'était la dernière course en Norvège. On revoit des images. On revoit les images. Un mot sur les numéros 9 et 10 aussi. Ah bah, ils ont fini fatigués. Cinquième, il y en a le 9 et 5e. Oui, et le 10, il n'en peut plus. Il a fait beaucoup d'efforts, mais bon, il n'avait pas la pointure, semble-t-il. 7, 4, 11 et 12. Voilà, c'est terminé pour l'hippodrome de Jarlsberg, terminé pour la Norvège. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi sur les antennes d'Equidia. Voilà, merci à vous Cédric. Et donc c'est terminé en effet pour la Norvège sur cette arrivée. On aura le résultat de la photo après photo dans quelques instants. Bien sûr, on vous le communique dès que nous le connaissons. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants pour une nouvelle course à Nantes. Un handicap qui s'annonce là encore.
Chaque vendredi, dès 18h, rejoignez les gentlemen du Turf, le podcast d'Equidia, pour passer en revue les quintés plus du week-end. Rendez-vous sur equidia.fr/podcast. C'est un crack. Renaud Lavillenie, champion olympique de soie la perche, multimédaillé et grand amoureux de course hippique. J'ai vécu avec les chevaux entre 10 et 15 ans. Karine Galli vous emmène dans la Nièvre découvrir sa passion secrète. Forcément, ça ne pouvait être que des chevaux d'attaque. C'est vrai que pour un sauteur, ça a du sens. Un terrain de jeu dans lequel Renaud Lavillenie ne compte pas faire de la figuration. J'ai sauté avec les mêmes couleurs sur ma combinaison. Ça me donne mon identité dans le milieu. Je pense que ça va être des émotions assez sympas. Guest Star avec Renaud Lavillenie, votre nouveau rendez-vous présenté par Karine Galli. Dimanche 9 mai à 20h30 sur Equidia. Et gratuitement en replay sur Equidia Racing Mag. Parce que nous sommes animés par la même passion des courses, aujourd'hui nous mettons tout notre savoir-faire gratuitement à votre service avec l'application Equidia. Préparez vos courses avec les infos exclusives au cœur des hippodromes. Affinez votre papier avec les pronos et conseils de jeu de nos experts. Au cœur de l'action, vivez toutes les courses en direct sur Equidia et Equidia Racing. Découvrez les réunions PMH sur 15 hippodromes. Téléchargez gratuitement l'application Equidia, le partenaire incontournable de vos jeux. Retrouvez également ses services sur Equidia.fr. Concentration extrême, sport à son summum et excitation maximum. La course du quintet, c'est de l'adrénaline à l'état pur. Le départ est donné. Embarquez dans le plus fou des ascenseurs émotionnels. Au trot ou au galop, à Paris ou en province, la course du Quintet, c'est du grand prix garanti tous les jours, sans exception. Et c'est à vivre en direct sur Equidia. Qu'est-ce que vous nous conseillez ici, Frédéric Quejoudan? Vous avez un doute sur votre papier? Vous voulez confirmer votre choix? Vous séchez sur les partants? Mais s'il sort sur la bonne jambe, c'est 9 à la vente. Il va gagner. Tous les jours dans le grand direct, nos experts vous aident à faire le tri. C'est ma base pour moi. Combiné 2-5-7. Vous êtes amateur de valeurs sûres? Optez pour le ticket flûtant. Vous êtes un féru de coups de poker? Adoptez le ticket offensif. Tous les types de paris pour tous les profils de joueurs. Ticket offensif est bien couplé uniquement gagnant. Mais mettons prendre des risques. Les conseils d'experts tous les jours dans le grand direct des 11h sur Equidia. Allez, nous poursuivons le grand direct et nous allons aborder une nouvelle course, un handicap sur 1600 mètres sur l'hippodrome de Nantes. Suave Story ne court pas, le numéro 3 donc est absent dans cette course. On découvre les participants, ils seront donc 13 à s'affronter. On va noter la présence d'Antrigger, le numéro 1 en haut de tableau, qui représente une chance régulière également pour Mark Land, le numéro 4, qui a des supporters dans cette épreuve. Et puis on tourne la page, regardez. Avec Jacques Coeur, associé à Sophie Chouette, qu'on a vu gagner tout à l'heure, et qui peut peut-être encore une fois jouer un bon rôle et signer un nouveau succès. Et on peut également noter le Half Dream, le numéro 10, qui a une chance, et Convict Tate, le numéro 13. Pour le moment, je vois que c'est la préférence des parieurs. Alors, Olivier, j'aurais pu en citer d'autres, j'espère que vous avez pu trancher. Oui, mais là encore, comme dans l'épreuve précédente, sans très grosse conviction. Je vous propose un multi en 6 avec plusieurs chevaux qui semblent avoir des chances régulières sans que celle-ci ne soit bien sûr prépondérante. Et puis en ce qui concerne un jeu offensif, un jeu simple, vous avez marqué la forme de Sophie Chouette hein, qui s'est déjà imposée. Je crois qu'elle a d'ailleurs posé son joker pour monter cette réunion. Elle est en selle sur ce numéro 7, Jack Coeur, avec la décharge, signalant que Jack Coeur a gagné pour son unique sortie à Nantes, c'est important, la petite de la piste, pourquoi pas lui faire confiance dans cette compétition. Bon, ben on va suivre de près cette candidature de Jacques Coeur. Globalement, pour l'instant, vous vous débrouillez plutôt bien hein, sur cette piste nantaise. Ouais, dans la moyenne. Ouais. Voilà, il y a quand même eu des bonnes choses comme Avril Lomanoir tout à l'heure, donc on va voir si vous poursuivez sur un bon tempo. On retrouve tout de suite donc Nantes et le rond de présentation. Ouais, Olivier Thomas donc, qui croit que Sophie Chouette peut remporter une deuxième course aujourd'hui après son succès tout à l'heure avec Vancouver du Guerne. On va nous tout de suite évoquer le favori de l'épreuve Convicted puisque Stéphane est avec son propriétaire, un autre Stéphane Girardin en l'occurrence.
Bonjour Stéphane, Convicted est revenu à son meilleur niveau après un petit arrêt. On sent qu'il est tout près de sa course. Bonjour, oui, effectivement, le cheval est près de sa course, c'est sa distance, un hippodrome qui lui convient. Maintenant, nous souhaitions avec François on visait plutôt la seconde épreuve. Bon, on se trouve en première épreuve, mais bon, c'est pas trop grave, on a un bon point, un bon numéro de course, il devrait bien courir, comme toujours, s'il en a envie. Ça va être important, ça. Tu penses que les ordres, c'est de monter dans le groupe de tête? Oui, bah, je pense qu'il va y avoir du train, et puis la piste est roulante, donc on ne devrait pas tirer, c'est plutôt bien. Maintenant, voilà, si on est à corps de 5, si on peut rester 4-5 et avoir un bon dos, il devrait que ça arrive. Merci Stéphane. Je garde la main, Vincent, parce qu'il y a deux hommes qui m'intéressent, là. Il y a Grégoire Juillet et Fabrice Houtt, dans 2 minutes. Fabrice, M-Trigger, que s'est-il passé la fois dernière à Saint-Cloud? Ça pourrait bien couru, je ne sais pas trop en fait, j'ai pas trop d'explication. J'espère que l'explication, ça pourrait être qu'elle était peut-être en chaleur, on l'a pas trop vue. Voilà. D'habitude, elle fait toujours ses courses, alors que là, elle a vraiment pas travaillé en fin de compte. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, elle va s'en trouver. Si vous l'estimez. Oui, l'année dernière, elle a des bonnes courses, et puis je pense qu'elle est 33,5 actuellement, elle doit bien les valoir. Et donc, si elle course à vraie valeur, elle peut discuter la victoire. Vous avez également le 5 Markland? Le 4 Markland, pardon Stéphane. Le 4. Oui, j'ai mes lunettes. Merci. Non, mais enfin, oui, c'est ça, Markland. Puis 4, ça vous va bien parce que Nantes, on a marqué 4 hier. Après, c'est pour ça que vous vous souvenez bien du chiffre. Ouais. Bah, s'il est 4e, il aura peut-être fait son travail, mais aujourd'hui, il a un lot où il peut disputer les premières places. Il a un bon numéro de corde et on va essayer de raser les murs et essayer de bien finir. Mais il a aussi une chance. Je pense que mes deux pensionnaires peuvent faire l'arrivée. C'est gentil Fabrice, et puis dernière interview, merci Grégoire d'être resté ici. Bah déjà vous avez gagné avec le couvreur du Guerne tout à l'heure, donc la journée est faite. Jacques Coeur, il n'a pas les œillères à Senon sur 1300 mètres, il a failli gagner. Il a les œillères la fois dernière à Compiègne, il faiblit un petit peu à la fin. J'ai l'impression que maintenant Jacques Coeur, lorsqu'il n'a pas les œillères, il est peut-être un peu plus performant. Qu'en pensez-vous? C'est un peu à son bon vouloir. Ouais. C'est un mal, c'est un entier. Je joue un peu avec lui, voilà, un coup on essaye, un coup... Mais aujourd'hui il devrait bien courir. L'autre jour à Compiègne j'ai été parce que l'engagement me paraissait pas mal. Maintenant il a penché un peu à droite pour finir, ce qui lui a goûté certainement un chèque. Donc là on recourt un petit peu rapproché, machin, mais le cheval est resté bien. Donc aujourd'hui j'ai dit on enlève les deux hier. Il a un petit poids. Mais un mauvais numéro de corde. Donc il va falloir certainement avancer, c'est un cheval à monter, pas de derrière. Donc à Favori à faire sa course, ça reste des handicaps, comme Favori disait tout à l'heure, donc il y a deux trois chevaux qui avancent. Bon, il est compétitif à cette valeur-là, hein. Si tout va bien, il devra faire l'arrivée. Merci Grégoire, merci bien, c'est gentil. Il en a déjà remporté un, Grégoire Juillet, aujourd'hui handicap avec Vancouver du Guerne, hein. C'est le même tandem. Grégoire Juillet et Sophie Chouette, qui est donc représentée par ce numéro 7, Jacques Coeur, qui, je vous le rappelle, est le choix de notre expert Olivier Thomas, hein, qui vous a donné des gagnants. Il avait notamment conseillé tout à l'heure Avril au Manoir, qui a remporté avec un certain brio la troisième, la classe 2 du jour. Sachez d'ailleurs que juste après cette course, cette cinquième course Prix de la Vendée, il y aura bien sûr le Quintet à Vichy, et qu'on reviendra à Nantes, on aura le temps fort sportif de la journée, la sixième, qui est le Prix de la Magnolière, une classe 1 avec des 3 ans et certains poulains qui ont vraiment des profils séduisants. Alors vous voyez le numéro 6, Emma Point, hein, qui tourne derrière les stalles en main. Sachez que la jument a été emmenée en piste quelques minutes avant tous les autres. Sans doute une concurrente qui doit monter en pression, raison pour laquelle on prend pas mal de précautions avec elle. Et nous allons retrouver de nouveau Stéphane pour d'autres infos. Oui, alors Vincent, excusez-moi, j'ai enchaîné les interviews parce que comme vous voyez les chevaux partir, j'ai l'impression qu'on était vraiment tout proche du départ. Et donc apparemment on a un petit peu de temps. On a 5 minutes. J'avais juste. Mais cela dit, plus on donne tôt les informations, mieux c'est pour le turfiste. Hein, parce que quand on les donne, que les chevaux partent ou à 15 secondes du départ, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, c'était juste pour m'excuser parce que j'ai un peu monopolisé l'antenne. Mais franchement, j'ai enchaîné parce que je me suis dit, tiens, le départ est dans 2 minutes. Il y a une jument qui a très bien couru la fois dernière, c'est Red Dumas, qui a raté son départ comme... Elle est coutumière du fait, mais attention à elle, parce qu'elle a déjà bien fait ici sur la piste nantaise. Elle était battue de très peu par un certain Convicted. Donc attention à ce numéro 9, Red Dumas. Maintenant, si elle rate son départ, qu'elle se retrouve assez loin, ça peut être compliqué. Mais ce numéro 9, Red Dumas, c'est certainement une candidature à suivre dans ce lot
Vincent. Et c'est d'ailleurs la sortie que vous évoquiez, sa seule sortie nantaise, elle était bonne, c'est vrai, ce jour-là, elle s'était classée 3ème. C'est une jument qui a pas mal d'expérience, hein, c'est Trait Dumas, elle a remporté 8 courses depuis le début de sa carrière. Et elle reste sur une 5ème place au Lyon d'Angers. Moi je vous rejoins, je pense que c'est un profil intéressant. Alors il va y avoir un numéro à gérer, hein, pour Maximilien Justem. On a vu dans la précédente, hein, que c'était possible de s'imposer en... avec un numéro en dehors, puisque prédétermine partait complètement à l'extérieur et pourtant le cheval a réussi à triompher. Mais évidemment, ça reste un numéro assez handicapant avant le coup. On parle du numéro 8, Zawat. Là, avec vous, Stéphane, une pouliche de 4 ans. Dimo. Walter de la Lande, excusez-moi, c'est Walter de la Lande. Dimo. Le 8 Zawat, je l'ai trouvé d'abord. New Donation. C'est ce que m'a dit Walter. Il aurait préféré une piste un petit peu plus souple, mais c'est une jument qui avait gagné en son souvenir. Vraiment devant. Il va demander justement à son fils, à l'un de ses fils, Morgan, qui monte cette femelle de 4 ans, d'aller devant avec Zawat. Et puis ensuite, on va voir si elle peut aller le plus loin possible. Elle était très belle au rang de présentation. Et c'est ce que m'a dit Walter de la Lande. Certes, elle n'a couru qu'à une seule reprise, mais elle semble prête. Ce numéro 8 Zawat pour un accessite. Et concernant le 6 Emma Point, elle avait beaucoup couru, hein, sur la piste de Pornichet. Les engagements se succédaient bien, ils étaient plutôt bons. Elle était un peu fatiguée la dernière fois, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait. Elle a fait un break en 32 valeurs. Elle a déjà montré ses moyens et son potentiel dans ce genre de course. Le fait de retourner sur le gazon, ça ne va pas la déranger. Voilà, elle n'a pas beaucoup de marge, mais elle aussi peut prendre un accessite. Voilà, Walter de la Lande avec le 6 Emma Point et le 8 Zawat. J'espère pourquoi pas une touche. C'est noté. Alors, méfiez-vous également du numéro 10, hein, le Havre Dream Up. Un cheval de 6 ans, un cheval qui vient de bien se comporter à Saint-Cloud, jusqu'à son 3ème de handicap. L'handicap qui était remporté par Cookie Boy. Il commence à faire une chance assez intéressante. Il y a 7 euros. Encore 8 euros, alors la mise en œuvre. Elle doit être rayante. Sa dernière sortie. Devant nous, Mademoiselle Céleste, numéro 11, hein, passe sous nos yeux. Alors là, c'est un gros outsider et assez logiquement. Mademoiselle Céleste n'a pas pu briller lors de ses deux sorties de l'année, 16e et 10e. Difficile de lui accorder du crédit. Et vous voulez nous parler maintenant, Stéphane, du numéro 5, Econico. Ouais, alors j'ai pas vu son entraîneur et voir QE. Alors ça, c'est vraiment mon avis tout personnel. Mais j'ai l'impression que ce cheval-là sera peut-être mieux sur 1600 mètres par rapport aux 18 ou 2000 mètres qu'il a abordé ces derniers temps. Parce qu'on a le sentiment qu'à chaque fois, il vient pour prendre un accessible ou faire l'arrivée. Moi, je me souviens d'une course avec Pierre Charles Boudot. Et ensuite, il craque à 200 mètres du poteau ou à 300 mètres du poteau. Et là, cette fois-ci, on raccourcit. Je sais pas, moi je pense que c'est un cheval qui peut éventuellement être 3ème, 4ème. Alors peut-être que je me trompe complètement. Hein. Mais Econico est raccourci en distance par rapport à ses dernières sorties. J'ai le sentiment que ça peut éventuellement le faire. Alors attention, parce qu'au niveau du poids, c'est un cheval qui est en 31. Il a perdu seulement une livre par rapport à ses dernières sorties. Mais cette fois-ci sur 1600 mètres, pourquoi pas un Econico qui vient chercher une place. En tout cas. Moi, c'est mon analyse, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est mon analyse. Je crois qu'il était entraîné par Gianluca Bietolini en début de carrière, qui avait débuté d'ailleurs sa carrière par un succès sur 1700 mètres. Donc ça peut aller dans le bon sens, hein, parce que c'est la distance la plus courte qu'il ait abordée jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est pour la première fois sur 1600 mètres. En tout cas, il a pas mal couru à quelques reprises dans des handicaps en 31 de valeur. Là, maintenant, il est en 38 de valeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La cote est... spéculative, il y a 11 euros. Voilà, numéro 10, le Half Dream Up, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Avec Hugo Journiac, numéro en dehors, hein, c'est le numéro 12. Convicted, le numéro 13, favori, 5,20 €. Convicted, hein, qui va essayer de renouer avec la victoire. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu gagner, il faut remonter au mois de juin dernier. 4 en dehors des stades de départ. Parmi ceux-là, il y a le numéro 12, Spinning Mist, qui avait aligné 3 succès consécutifs au niveau des réclamés, qui en revanche depuis n'a pas réussi à briller.
Thierry Pochet qui l'entraîne, Cadac de Castelvert. Nico Nico, dont on parlait juste avant, s'approche des stalles maintenant. Et il restera le numéro 9 Red Dumas, donc il partira tout en dehors. Le 16 partant, la chaise du Vichy. Une victoire en 9 sorties hein, pour cet Econico. Ils font les couleurs de Charles Poli. C'est 3 km, on est là, putain. Ça fait loin. Éminent. Aspect, ça fait 14. À l'extérieur, Red Dumas. C'est 4-14. On a Aspect qui fait 14. Là, va être donné pour la 5e. C'est plus le thème. Peut-être une fois, tu sais. Encore dans ta stade, Red Dumas. Le 13 est prêt, mon gars, peut-être. Peut-être 13 gagnants, peut-être. C'est une famille de 2 sur 4, 2 4 5. Je sais pas. Peut-être 13 est prêt, peut-être faire quelque chose. Il a l'air au-dessus tout. Et juste après, direction Vichy pour le Quintet. Réunion qui s'adresse au trotteur. Et après le Quintet, restez bien sur Equilia parce que vous aurez une classe intéressante à Nantes. Ça va partir, prix de la Vendée. Je suis content qu'on puisse faire 8 euros en plus sur le 2-7. Les voilà qui s'élancent pour la 5e. Première épreuve du handicap divisé avec un départ en retrait de Mademoiselle Cédès, numéro 11, qui a perdu de nombreuses longueurs. En revanche, on voit un bon départ à l'extérieur du numéro 2, Monfiquet, qui se retrouve aux avant-postes. Bon départ également au centre du numéro 14. C'est Lily Bird hein, qui prend l'avantage maintenant, avec également pas très loin des premiers. Emma Point, le numéro 6, qui est là au contact en 3-4e position. À l'intérieur vient le numéro 4, Markland, qui se retrouve donc dans le sillage des premiers, avec à son le favori de la course, hein, qui est bien placé en 5e position. Mouvement à l'extérieur, Dan Trigger, le numéro 1, qui progresse. On voit également un rapproché encore plus en dehors de Zawat, hein, le numéro 8, qui commence à gagner quelques rangs. Et Jack Kerr, le numéro 7 aussi, qui fait mouvement. Jack Kerr qui vient très vite rejoindre les premiers, qui sont toujours Monfiquet. Et le numéro 6, Emma Point. Les concurrents s'approchent comme ça de l'ultime ligne droite. Quatrième place ensuite pour Last Entry Girl, qui vient devant Convicted, qui patiente toujours en 5-6e position, avec juste derrière le numéro 4, Markland. On voit également un mouvement dehors du numéro 12, de Spinning Mist, qui est maintenant décalé par son jockey, qui tente de gagner quelques rangs. Red Dumas fait partie des derniers. On voit également à l'arrière du peloton, notamment le numéro 5, Econico, et toujours Mademoiselle Céleste, qui est très attardée. L'ultime ligne droite maintenant avec Last Entry Girl, qui vient menacer le numéro 7, Jack Kerr, qui a pris l'avantage en 3e position de danse. Toujours le numéro 6, Emma Point. Et puis voilà, à l'extérieur, Red Dumas maintenant qui tente de regagner un petit peu de terrain. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Entringer, numéro 1, qui lutte toujours avec le numéro 7, Jack Kerr, qui se montre accrocheur à son intérieur en 3e position. Toujours le 6, Emma Point, Jack Kerr, qui repart. Le numéro 7, Jack Kerr, qui va s'imposer. La 2e place pour Entringer et la 3e place pour le numéro 6, Emma Point. 4e place pour le numéro 10, Le Havre Dream Up. Coup de 2 pour Grégoire Juillet, et coup de 2 pour Sophie Chouette. Jack Kerr, le numéro 7, s'impose. Devant l'As, Entry Girl, le numéro 6, Emma Point est 3e. Devant le 10. Numéro 10, Le Havre Up. Il n'y a pas, 7, j'ai pas, As, j'ai pas 6, du 10 pour l'arrivée de cette 5. Non, rien du tout. Oui, et la 5e place reviendra au numéro 9. Bravo à notre expert, hein, Olivier Thomas, qui vous conseillait déjà tout à l'heure. Le cheval qui avait remporté la 3e avril au manoir. Et là, il a vu juste avec Jacques Coeur, Sophie Chouette, donc qui fait un coup de deux, hein, comme Grégoire Juillet. Jacques Coeur qui est progressé en épaisseur dans le tournant final. Et c'était une tactique payante pour ce cheval, hein, qui s'initie la 3e victoire de sa carrière. Ça avait remonté au mois de juillet dernier pour trouver trace d'une victoire dans son palmarès. C'était déjà sur cette piste de Nantes. 7, As, 6, 10 et 9. La 5e, ici, à Nantes. À tout à l'heure. Voilà, et bravo à Sophie Chouette hein, qui réalise un doublé, un beau doublé avec donc Jacques Coeur. Elle remporte cette épreuve. Le duo Juillet Chouette et puis la Kazakh Nardone qui est à l'honneur. Allez, on va continuer tout de suite avec le Quintet. Vous le savez, aujourd'hui, on se retrouve dans quelques instants pour en parler. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas le QR code qui est de ce côté-là, c'est mieux. Voilà. Vous le flashez, vous allez accéder directement comme ça aux pages spéciales Quintet que nous vous proposons sur equidia.fr. Et je vous rappelle que tous les jours, pour tous les Quintets, vous retrouvez ces pages. Donc n'hésitez pas, il y a le réflexe quotidien d'equidia.fr. Allez, petite pause et on revient.
Depuis plus de 60 ans, le Vénard vous fait toucher les plus belles cotes. Seul de toute la presse, le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec le journal Le Vénard, champion de France des pronostics, pas de blabla, des résultats. Une cote à 53, une cote à 140, une cote à 40. Qu'est-ce que c'est, 140? Tous les jours, ça change. Et nous revenons pour le quintet, dont je vous l'ai dit en direct de Vichy dans quelques minutes, le quintet du jour. Notez que le numéro 2, Doris Génilou, ne court pas. On aura donc au départ 15 candidatures. Tout de suite, les conditions de la course avec Olivier qui va nous planter le décor. Entre parenthèses, bravo Olivier pour Jacques Coeur il y a quelques instants. C'est chouette. Mais, et bravo. Oh, très très bon. Alors maintenant, les conditions du quintet du jour. Un quintet réservé à des chevaux d'âge hein, pour l'ouverture du meeting, un moment toujours très attendu. Une longue distance, 2950 mètres, beaucoup plus de trotteurs au premier poteau. Voilà pour les conditions donc, de ce quintet. Alors le tracé, on le regarde, ce tracé de Vichy, vous qui le connaissez parfaitement, que pouvez-vous nous apprendre? Est-ce qu'il y a des pièges? Non, pas spécialement. C'est un parcours sur lequel on peut adopter toutes les tactiques. On peut aller de l'avant, on peut également longtemps attendre puisque la ligne droite est vraiment très très longue. On peut pleinement s'exprimer sur cette piste et les meilleurs chevaux généralement terminent à l'arrivée. Bon, mais écoutez, on va maintenant faire le point sur les partants justement de ce quintet. Allez, on y va, on découvre les partants. On rappelle que le numéro 2, donc Doris Génilou, a décliné la lutte. Escapade du Dijon peut surprendre à condition qu'il y ait une ou deux contre-performances des chevaux favoris. Rocky Tilly, en théorie, c'est une belle chance, mais il y a un doute concernant sa corde. Je ne sais pas s'il va pouvoir bien faire la corde. Denzo de Guest, je l'aime beaucoup, il a certes été disqualifié deux fois après s'être reposé cet hiver, mais il semble en mesure de refaire parler de lui. Donze la Bella est au mieux, mais monte un petit peu de catégorie. Attention à Ribaud, s'il parvient à bien négocier les tournants à main droite. On continue. Diamant Rose fait face à un très bel engagement. Attention à lui, il peut faire figure de bel outsider dans cette compétition. J'aime bien ce numéro 11, Diamant Rose, capable pourquoi pas de mener. Et puis ensuite, au 25 mètres, Bérénice du Loisir est une bonne finisseuse. Son entourage l'a dit revenir au mieux. Olé Rolls, c'est une première chance théorique. Mais là encore, il y a le problème de la corde. Il n'a jamais été vu. Le corde à droite, ça peut être un petit souci. Et puis deux chances régulières avec les juments les plus riches, hein, Evita Perron et Élise Cabéry, qui ont des titres. D'autant qu'Élise Cabéry se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Vichy. On va découvrir les préférés de la presse avec vous maintenant, Olivier. Qui ressort en tête? Le 15, plusieurs fois. Le numéro 15, donc, c'est Evita Perron. Evita Perron, elle aussi, a déjà bien fait hein, sur l'hippodrome de Vichy. Elle a un peu besoin de nous rassurer en ayant été un petit peu décevante l'autre jour sur les pronoms de Vincennes. Mais il est vrai que les conditions de course n'ont pas été tout à fait favorables la concernant. Donc on la rachète volontiers, d'autant que les conditions sont parfaites pour elle aujourd'hui. On voit que le titre, l'Alsace, s'est démarqué en choisissant Denzo de Guest, le numéro 5. Bien, bravo à lui. Ça vous fait réagir ou pas sinon? Complètement. J'aime beaucoup. Vous aimez bien? Moi, je pense qu'il peut gagner aujourd'hui, Denzo de Guest. C'est un cheval qu'il n'a peut-être pas la valeur parisienne. On le préserve durant l'hiver. C'est vrai que ces deux courses de rentrée ne sont pas bonnes, il a galopé, mais il était frais. Je pense qu'il peut pleinement se réhabiliter. D'ailleurs, ce sera mon jeu simple. Eh ben, on y va. On va le voir tout de suite. Les tickets, c'est parti. Donc, j'ai mis l'accent sur celui que vous avez donc retenu en priorité, Olivier. On le retrouve donc, Denzo de Guest, avec un Nicolas Bazir, le numéro 5. C'est mieux si on affiche son numéro. Nicolas Bazir qui a remporté le dernier quintet vendredi soir, réservé à trotteur avec Firello, un peu en retard de gain. Un quintet flexi. Une combinaison de 7 chevaux en 25%, Denzo de Guest, Élise Cabéry, Diamant Rose, Evita Perron le numéro 15, Ribaud le 8, Las pour corser éventuellement les rapports, Escapade du Dijon et puis Bérénice du Loisir capable de très bien terminer la longue ligne droite, devrait servir les intérêts de cette bonne finisseuse. Très bien, mais écoutez, voilà pour ce ticket que vous nous proposez. Je vous propose maintenant que nous allions à Vichy. Je vais saluer Anthony Roy qui va être avec nous, Fred Havas également qui est sur place. On va donc retrouver les trotteurs à Vichy pour cette grande première. Retrouvez toutes les courses en direct gratuitement sur l'application Equidia et sur equidia.fr. Effectivement, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Vichy. On donne le coup d'envoi aujourd'hui d'un nouveau meeting ici sur les bords de l'Allier. Les conditions, vous devez vous en rendre compte déjà avec ces premières images, sont parfaites. Aujourd'hui au niveau météo, il y a du soleil, pas de vent, il fait une quinzaine de degrés, donc c'est parfait pour les hommes hein, qui accompagnent les chevaux et pour les trotteurs bien sûr qui seront présents aujourd'hui pour cette première réunion donc du meeting édition 2021. On va attaquer cette réunion avec notre quintet plus, un quintet assez intéressant, il y a pas mal de possibilités, un quintet assez ouvert, pas de grands favoris. Denzo de Guest au premier poteau est très joué, on en reparlera dans un instant avec Nicolas Bazir qui en a dit quelques mots avec notre voltigeur du jour Frédéric Havas.
que l'on retrouvera donc dans quelques minutes. Et puis au 25 mètres, deux juments très jouées, Vita Perron et Eliska Berry, qui sont deux juments de classe, mais qui devront donc rendre 25 mètres. Ce qui est possible hein, sur cette piste, toutes les tactiques sont possibles, mais comme un peu partout en France, il faut rendre la distance et c'est jamais vraiment très simple avec des chevaux qui se tiennent de près. Quintet intéressant, il y a pas mal de courses ensuite qui valent le coup. Ginko du Roussoir nous donne rendez-vous au milieu de programme. Freja Dupont en dernière course, il y a pas mal de points d'intérêt hein, tout au long de cette réunion de Vichy qui va donc être à suivre en direct bien sûr sur Equidia et sur Equidia Racing où vous pourrez suivre les débriefs et les hits, notamment vous en avez l'habitude désormais. Le quintet donc en première course et on va regarder tout de suite les échauffements pour ce qui est notre épreuve événement aujourd'hui. Un non partant, vous le savez depuis maintenant un petit moment, c'est le numéro 2 Doris Génilou et on commence avec la Escapade du Dijon. Escapade du Dijon, une jument qui est entraînée tout près d'ici, que l'on connaît bien dans la région, qui va essayer de prendre une place aujourd'hui et profiter de son avantage initial puisqu'elle part au premier poteau. Voici Rokiti, on va le regarder corde à droite parce que c'est un chat qui n'a pas de référence corde à droite. Bon, il avait couru à Argentan, je pense pas que ce jour-là sa faute était imputable à la corde à droite, il avait fait la faute dans une ligne droite, donc ça avait l'air de bien se passer sur ces images. C'est une chance intéressante Rokiti. Associé à Franck Ouvry. On poursuit avec Bolide Major, cheval qui lui est même nettement plus abandonné puisqu'il est à 130 contre 1, donc c'est vraiment un très gros outsider avant le coup, mission très compliquée pour lui dans ce quintet. On enchaîne avec l'un des favoris en revanche ici, c'est Denzo Diez. Denzo Diez qui a fait deux courses de rentrée, il a été disqualifié les deux fois. La première fois, on a senti qu'il était vraiment très frais pour sa course de rentrée sur l'herbe. Il a galopé de bon cœur, je dirais, pendant un moment, comme un cheval qui était trop frais. Et il a tracé un parcours ensuite correct, sans qu'on puisse vraiment le juger. Et puis derrière, il a recouru à Neuilly-Pompière. Il a fait la faute en partant. Il a refait une faute devant les tribunes, mais ensuite, son comportement était correct. On entendra tout à l'heure Nicolas Bazir. On a enchaîné ici avec Disco des Taureaux, le 6. Grégoire Raffestin, Mathieu Daou-Gabel, voilà des hommes que l'on va retrouver régulièrement tout au long de cette nouvelle année ici sur l'hippodrome de Vichy. Je suis avec Don Zella Bella, le numéro 7. Pour Philippe Dojard, bien placé au premier poteau, bonne droitière. Il va essayer de garder une place dans le quintet. Elle court ferrée, mais c'est son habitude. C'est une jument qui a l'habitude d'évoluer dans cette configuration. Éric Raffin, Mathieu Abrivard, voilà les drivers vedettes qui sont présents aujourd'hui à Vichy. Ribaud pour Éric Raffin, élève de Björn Goop. Et à l'intérieur, au galop d'ailleurs, Ribaud. Et à l'intérieur, Evita Perron, la favorite du quintet aujourd'hui. Je monte classe Evita Perron, qui lorsqu'elle est bien capable de prolonger son effort, hein, elle est très dure. Elle peut remporter cette course, il faudra rendre 25 mètres, mais elle fait partie des lauréats potentiels. On enchaîne avec Donkey Kong ici, le numéro 9. On est avec un outsider un peu plus de 80 contre 1. Il aura pour lui d'être l'un des plus riches du premier poteau. Suivons ici avec Chilento, le 10. Maxime Busset, un habitué du meeting de l'hippodrome de Vichy. C'est Anthony Tintillier, un jeune entraîneur qui est situé dans le centre-est, non loin d'ici, qui sera au sulky. Entraîneur et driver, bien sûr, Anthony Tintillier. Donc le partenaire de Chilento, le 10. On enchaîne avec Diamant Rose. Des chevaux en vue. Diamant Rose, entraîné par Jean-Michel Baudouin, qui a préparé ce quintet, connaît ses talents de metteur au point. Et quand il prépare une course en général, ses chevaux ne tapent pas loin. Donc, bien sûr, méfiance avec Diamant Rose, qui a été acheté dans une course à réclamer. On poursuit avec un bon cheval monté, c'est Victor du Start. Il fait une rentrée aujourd'hui à l'atelier, donc on peut l'oublier. C'est un cheval qui, au trot monté, devrait refaire parler de lui prochainement. Dans cette discipline. Georges Fournigo, l'un des hommes du cru, l'un des locaux, il est au sud de sa bonne jument, Bérénice du Loisir, le 13. Elle est à 25 mètres, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de marge hein, face aux 7 ans, mais elle est capable de finir dans le quintet. Wally Rolls, le 14, alors, qui a fait des fautes dernièrement en étant déféré des 4 pieds, ça ne lui a pas convenu. D'être complètement déféré, c'est ce que nous a appris Harmonis Canen, on le défère seulement des postérieurs aujourd'hui. Hop là, au galop au moment d'aborder la courbe à droite. Ça, c'est un signal négatif parce qu'on n'a pas de référence corde à droite. Et à peine avait-il abordé la courbe qu'ils étaient au galop. On poursuit avec une très bonne droitière en revanche, c'est Eliska Berry.
qui s'entend bien en plus avec Serge Pelletier, hein, qui s'en sert parfaitement. L'engagement est intéressant, c'est la plus riche sur une piste où elle a déjà gagné. Elle fait partie des bonnes chances évidentes de ce quintet Lisca Berry à 6,20€. Voilà donc pour les hits, les échauffements. Vous voyez la piste ici, hein, de Vichy qui nous accueille donc pour la première fois de la saison. Très belle piste, corde à droite, vous la connaissez certainement désormais. 1325 mètres de circonférence, une très belle ligne droite également pour finir. Il y a deux bonnes lignes droites et des tournants qu'il faut bien négocier évidemment, mais qui se prennent tout de même assez bien. Il faut toujours rester méfiant, notamment dans le dernier quand on est un peu en fin de parcours, mais ça reste une très belle piste et les chevaux peuvent s'exprimer ici sans problème. Allez, une course de référence en attendant les chevaux du quintet et en attendant les interviews de Frédéric, qui est donc avec nous aujourd'hui, Frédéric Havas. Elle concerne Lisca Berry. Et vous allez voir un peu les points forts d'Lisca Berry sur cette course référence. C'est une excellente sprinteuse. C'est une jument qui est vraiment très forte sur 300-400 mètres. Elle est capable d'accélérer et de déposer tout le monde. C'est ce qu'elle avait fait à Saint-Galmier dans un lot qui était moins fort que le quintet d'aujourd'hui. C'est vraiment la configuration idéale pour Lisca Berry. Une course qui avance, les chevaux de tête qui se font un petit peu mal, hein, qui donnent beaucoup, et elle qui attend et qui vient en une fois, ça, elle adore ça. Et quand ça ne lui résiste pas, sur un bout, elle est capable vraiment d'accélérer. Vous l'avez vu à Saint-Galmier, les oreilles pointées et en faisant la différence nettement. Serge Pelletier s'en sert très bien de cette jument. Il est au sulky et Pascal Montulé, l'entraîneur, nous dit qu'elle est en belle forme. On va vous proposer une autre course de référence qui concerne Denzo Diaz. Là, on a dû remonter un petit peu le temps parce que Denzo Diaz n'a pas de perf récente. C'est-à-dire qu'il a été absent du mois d'août 2020 au mois d'avril 2021. On le retrouve donc lors de sa bonne série de l'été dernier, notamment lors d'une victoire à Pornichet, c'était le 4 août. Il allait se balader ce jour-là avec Romain Congar, il devançait Domaine de Lys, trottait 1-13 à Pornichet. Chrono rapide, beaucoup d'écart avec le deuxième, donc il gagnait comme un cheval un peu déclassé. Ensuite, il a donc été disqualifié à Pornichet, puis absent longtemps. Donc, il a connu des problèmes de santé. Deux courses de rentrée, une à Écomois où il a galopé assez longuement comme un cheval très frais. Une autre à Neuilly-Pompière où il a fait la faute en début de parcours, puis devant les tribunes. Et il doit aujourd'hui se montrer sage, mais si c'est le cas, c'est vraiment une toute première chance. D'ailleurs Nicolas Bazir dans un instant nous en parler. 5,90€ pour Denzo Diaz, à qui s'il est bien, s'il répète ses courses de l'été dernier, peut fournir le lauréat de ce quintet en tête. Il peut profiter de cet avantage sur Evita Perron, sur Lisca Berry. Maintenant il faudra rester sage et puis il faudra aussi faire une bonne valeur parce que les deux juments des 25 mètres sont tout de même des bonnes juments. C'est parti des chances évidentes. Allez, on retrouve Frédéric en direct. Bonjour Fred. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Martial Gauvin est avec moi, l'entraîneur de la favorite, timide favorite Martial, mais favorite quand même pour l'instant. Est-ce que ça vous a un petit peu déçu ces dernières prestations à Vincennes, notamment la dernière? L'avant-dernière était très bonne et la dernière était, on va dire, nulle, quoi. Mais enfin, nulle. Elle est repartie un petit peu sur le plat quand la course était finie, quoi. Elle s'est réveillée trop tard. Mais un coup de mou, puis bon, un mauvais parcours surtout. La jument était parquée à 3 pratiquement tout le long. Donc sur la grande piste, ça devient. Voilà, on n'a pas une jument qui déboule vite. On est 25 mètres, on déboule pas trop. Après, on est perché en dehors, c'est mission impossible, quoi, c'est des courses dures. Donc après, elle a préféré arrêter en montant Mathieu, replonger dans la corde et puis finir tranquille, quoi. Voilà. Là, on revient à une piste plate. Ça tombe à peu près. C'est ce qui m'embête un peu, quoi. On tombe à peine 10 jours, c'est juste ça. Alors, la jument a l'air bien, elle a bien récupéré. Voilà. Elle n'aura pas la fraîcheur par contre. C'est pas ce qu'elle préfère, on va dire. Enfin, j'ai pas de déplacement. Bon, elle a gagné ici les dernières. L'engagement est bon au cours. D'accord. Merci Martial. Du pour et du contre donc pour Evita Perron, on l'aura compris. Petit bémol sur sa faculté de récupération, même si Mathieu Abrivard, en effet, voyant qu'il était mal engagé, avait repris Evita Perron dernièrement sur la grande piste. D'ailleurs, elle courait pas si mal. Hein. Elle avait fait un bout pour finir, montrant que c'était pas une question de forme, mais le parcours était mal engagé. Mathieu Brivard avait préféré ne pas lui donner une course trop dure. Voilà Lisca Berry. Jument sympa à voir évoluer. Hein, elle a pas grand-chose, pas beaucoup d'artifice. Elle est assez belle en plus à voir trotter. Elle a une allure assez élégante. Elle est très bonne piste plate.
Serge Pelletier, je le disais tout à l'heure, s'en sert à merveille. Maintenant, tout sera une question de déroulement de course aussi pour elle, parce qu'elle a besoin d'attendre. Ce n'est pas elle qui va venir durcir la course, donc il faut espérer que les chevaux de tête se bagarrent un peu, qu'il y ait du rythme, des relais, peut-être qu'elle puisse venir sur eux pour finir et qu'elle ait une chance de les refaire dans la ligne droite. Louis Baudouin, désormais, va nous parler au micro de Fred de Diamant Rose, l'une des nouvelles recrues de l'écurie. Oui, est-ce qu'après son parcours de rentrée la dernière mois, est-ce qu'il est compétitif aujourd'hui? Oui. Oui, le cheval paraît bien. Là, on met corde à droite. Il avait eu du mal à tourner à Vincennes. Donc voilà, j'ai effectué le 8, je rajoute un petit piquant quand même. Mais non, le cheval paraît bien à l'entraînement. Donc maintenant, on attend de le voir compétitif en course. C'est un cheval qui a souvent, qui a parfois gagné en allant de l'avant. Est-ce que c'est la tactique prévue aujourd'hui? Ah, je sais pas trop, je vois une fois le départ effectué, si ça bombarde tout de suite, non, je vais me poser et puis venir après, mais il va falloir que je vienne à un moment ou à un autre. D'accord, merci. Tactique à peaufiner donc selon le scénario, c'est ce que va faire Louis Baudouin, mais bon, c'est sûr que Diamant Rose est un cheval donc, qui a été récupéré il y a peu de temps par un entraîneur en grande forme qui rate rarement la cible, donc forcément on s'en méfie un peu, même si là encore il y a de l'opposition, hein, Denzo Diaz, les deux juments des 25 mètres et puis d'autres. Donc gagner ce sera difficile, mais bon, on se méfie aussi bien sûr de l'entraîneur Jean-Michel Baudouin qui en plus voit ses chevaux actuellement en grande forme et qui est un metteur au point donc hors pair. On va écouter désormais Nicolas Bazir, on en parle depuis tout à l'heure. Denzo Diaz, c'est le favori d'ailleurs, hein, de notre expert Olivier Thomas aujourd'hui. Qui a tenté ce pari-là. On va écouter Nicolas Bazir pour savoir s'il y compte. Nicolas, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que Denzo De Guez a manqué ses deux parcours de rentrée? Je pense pas plus que ça. C'est un cheval qui est assez tendu et quand il fait ses parcours de rentrée, généralement, il n'est pas dans le truc. Donc, mais là, ça a l'air d'aller bien. Là. Oui, vous l'avez senti comme il faut? Ouais, bien. Même peut-être pas assez réveillé. Mais ça, il n'y a pas de souci, il se réveille assez vite. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières ici aujourd'hui ou est-ce que vous abordez cette course avec confiance? Non, c'est juste qu'il faut qu'il n'y ait pas de faux départ. À part ça, après il est facile. Il peut aller devant, il peut un peu tout faire, quoi. Il peut s'adapter. Oui, il peut aller devant, il peut cacher. Il a une bonne pointe quand il est caché aussi. Devant, il peut se montrer assez dur aussi. Non, il peut tout faire. Vous le considérez comme un cheval qui devra faire une bonne année vu qu'il a très peu couru et gagné pas mal de courses? Bah ouais, il a quelques problèmes de santé, donc on essaye de bien viser l'été et de bien s'en occuper. Et là c'est parti, normalement il devrait faire une bonne saison. C'est le début de son année peut-être à Denzo Diaz aujourd'hui à Vichy. Et il avait bonne action après sa faute dernièrement à Neuilly-Pompière, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il avait sauté l'élastique dans un premier temps, bon, c'était embêtant mais pas encore catastrophique. Et puis il avait refait une faute ce jour-là. Mais bon, Nicolas Bazir le sentait bien tout à l'heure à l'échauffement. Affaire d'impression, bien sûr, avec lui. Beaucoup d'argent aussi sur Rockity, il faut en dire un mot. Il n'a pas de référence corde à droite, mais c'est un cheval qui a très bien fini dernièrement à Cordemais. Pas de référence non plus, Fred, pour Holy Rolls, qui d'ailleurs a fait une photo hit au moment d'aborder le virage. Oui, je suis avec Harmonie Scannen, on va en parler. A priori, il a fait une photo hit au moment dans une courbe tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il est moins à l'aise à droite. Après, des fois, au 8, ça, il le fait à gauche aussi. Hein, donc après, il a refait un tour et il a bien pris le tournant. Ok. Est-ce que... sur quel compte on doit mettre ces derniers échecs, en fait? Est-ce que ça vient du déferrage des quatre pieds? Ah oui, c'est certainement. Oui, parce que le cheval, il est bien à l'entraînement, il est bien souple. Il a les pieds trop sensibles pour le déferrer maintenant, on le sait définitivement. Ok, donc pour aujourd'hui, là, vous êtes assez optimiste. C'est vrai que s'il faisait sa course, il aurait une chance théorique, non? Ouais. Qu'ils prennent le tournant. C'est vraiment votre seule inquiétude? Oui. Ok, merci Armo. Ouais, parce que sinon c'est un cheval intéressant, les Rolls. En plus, il a du moteur ce cheval, donc la longue distance de Vichy, c'est pas un désavantage. Et en valeur, il peut sûrement jouer un bon rôle. Maintenant, il faudra bien négocier les tournants. Gabi Gélormini l'aime bien, en tout cas, il en parle souvent en bien de ce cheval-là. Ça n'a pas été couronné de succès, on va dire, les dernières fois, parce qu'il reste sur deux disqualifications et avant, il n'avait pas fait l'arrivée à Enghien. Et bon, le lot est dans ses cordes aujourd'hui. Il a une place dans le quintet. Eric Raffin m'a dit que Ribaud avait fait un hit assez moyen. Il avait fait une faute. Enfin, c'était pas... Après, il avait beaucoup de poids.
sous les pieds, donc il va certainement montrer un autre visage. Allez, départ imminent pour le Quintet Plus à Vichy. Allez, le Quintet qui s'élance avec Rokiti qui fait une faute en début de parcours. Rokiti au galop d'Enzo Diez. En revanche, c'est bien parti avec également Diamant Rose avec à la corde Escapade du Dijon. Rokiti a perdu toute chance après sa faute en début de parcours. Au 25 mètres, Evita Perron se retrouve pour l'instant parmi les dernières aux côtés d'Olerol, c'est Delis Caberi. Ces trois-là qui sont partis à leur main. On est parti plus vite qu'eux avec notamment Bérénice du Loisir qui a été la plus rapide à son échelon. Premier tournant, Enzo Diez qui est en train d'accélérer au centre pour venir en tête. Escapade du Dijon qui pour l'instant le laisse faire. En troisième position, on retrouve à l'extérieur Diamant Rose. Au centre, il y a Donzella Bella qui précède encore côté corde Ribaud. À l'extérieur, Disco des Taureaux se rapproche devant Donkey Kong, Kazakh Rouge, Toc Jaune qui est au centre, qui précède lui-même Tilento. Bérénice du Loisir venant ensuite devant Dictate du Start, Bolide Major. Et pour l'instant, les deux juments très en vue des 25 mètres sont loin. Elis Caberi, comme d'habitude, patiente. Derrière Dictate du Start avec à l'arrière également. Devant ses Diamants Roses qui a relayé Enzo Diez. Disco des Taureaux fait mouvement à son tour. Il est passé deuxième. Avec non loin de la tête Escapade du Dijon. Donzella Bella qui patiente également non loin. Devant encore à la corde Ribaud. Donkey Kong venant ensuite devant Bérénice du Loisir. Tilento, Dictate du Start et Elis Caberi. Nouveau tournant. Pas trop d'attaque devant. Diamant Rose peut contrôler. Disco des Taureaux est à sa hauteur sans trop forcer pour l'instant. Escapade du Dijon est troisième et on reprend encore. La Denzo Diez est bien placée quatrième devant Donzella Bella, Donkey Kong. Personne ne vient pour le moment en épaisseur. On ne va pas très vite pour aborder la ligne droite des tribunes. Diamant Rose qui est même encore un peu repris. Disco des Taureaux qui vient à sa hauteur. Dans leur dos, il y a toujours Denzo Diez et Escapade du Dijon. Et toujours pas de mouvement à l'extérieur, pas d'attaque pour l'instant. Ça va doucement devant les tribunes avec Diamant Rose, le 11. Tête et corde à son extérieur, Disco des Taureaux. Dans le dos des premiers, Escapade du Dijon, Denzo Diez qui est là tout près, quatrième devant Donzella Bella. Et voilà un wagon qui se forme. Un wagon est en train de se former, wagon intéressant. Olerol s'emmène, Evita Perron et Elis Caberi, ouais, évidemment, va sauter dans le roue. Car c'est certainement un wagon qui va permettre aux juments qui étaient loin, les deux favoris des 25 mètres, de se rapprocher. Grosse attaque donc d'Olerol, qui va être précédé d'ailleurs par Denzo Diez qui est au galop. Denzo Diez remis rapidement. Il a hésité, il a perdu un peu de temps, mais il peut être relancé désormais. La ligne droite d'en face, Denzo Diez qui va essayer de venir vite sur Diamant Rose, qui essaye de le contrer à la corde. Denzo Diez qui va très vite dans la ligne d'en face, qui est en train de venir fort sur Diamant Rose, qui essaye lui de lui résister, mais qui a du mal. Il ne peut pas contrer l'attaque de Denzo Diez. Avec à l'extérieur les favorites qui se rapprochent, notamment Evita Perron, qui est en train de suivre l'effort d'Olerol. Elis Caberi a du mal à accrocher pour l'instant le dos d'Evita Perron. Mais on va de plus en plus vite, il faut dire, au bout de la ligne d'en face avec Olerol, Denzo Diez qui sont en train de s'expliquer. Evita Perron qui est dans leur dos. Est-ce qu'Elis Caberi va pouvoir se rabattre? Non, elle est contrainte de négocier le virage en épaisseur, le dernier tournant. Denzo Diez a réussi à contrer Olerol. Ces deux-là devant Evita Perron et Elis Caberi qui va tenter de contre-attaquer. Mi-tournant final. Denzo Diez est en tête. Voilà Elis Caberi qui va porter son attaque. Olerol essaye de garder une place. Il est toujours en 3-4e position. La ligne droite pour Denzo Diez qui va devoir résister à Elis Caberi. Elis Caberi, super sprinteuse qui est en train de venir très fort au centre pour menacer Denzo Diez. Elis Caberi qui prend l'avantage sur Denzo Diez qui n'a rien pu faire. Elis Caberi qui semble débarrasser de l'opposition désormais à mi-ligne droite. Evita Perron va bien finir peut-être pour prendre la deuxième place. Elis Caberi et Serge Pelletier, voilà un couple qui fonctionne très bien. Une victoire dans un quintet aujourd'hui pour Elis Caberi. Evita Perron est deuxième, Denzo Diez troisième, Donzella Bella quatrième, Bérénice du Loisir ensuite à la photo avec Ribaud pour la cinquième place. La victoire du numéro 16, Elis Caberi, qui s'impose de belle manière ici sur un hippodrome qui lui réussit particulièrement bien. La deuxième place pour le numéro 15, Evita Perron. La troisième place pour le numéro 5, Denzo Diez. Le 7, ensuite Donzella Bella, qui va apporter un peu de cote à l'arrivée du quintet. Et sans doute Bérénice Duval, non, pour la cinquième place, le 13. Bérénice du Loisir, ouais. Du Loisir, pardon. Ouais, c'est bien elle, en effet, c'est confirmé sur notre image. Le 13 sera cinquième. 16, 15, 5, 7 et 13 pour l'arrivée du quintet. Les favoris sont là, les favorites. Notamment les bonnes juments des 25 mètres. Elis Caberi et Serge Pelletier, voilà un couple en or. 4 victoires en 6 tentatives pour ce couple. Ça marche très fort entre les deux. Elis Caberi qui s'est vraiment joué de l'opposition dès la mi-ligne droite. Evita Perron qui a eu un coup de pompe dans le tournant s'est bien relancé. Prenant la deuxième place à Denzo Diez qui a eu le mérite aujourd'hui de lancer la course dans la ligne d'en face et qui est battu par les deux bonnes juments de l'épreuve. De juments qui devaient lui rendre 25 mètres et qui ont réussi à le faire. Aussi, je pense, en grande partie grâce à Olerol, parce que
voilà, on savait que Elise Cabéry ne lancerait pas la course. Mathieu Brivard n'était pas décidé non plus à le faire avec Evita Perron, donc il fallait quelqu'un un peu pour les ramener, et ça a été Oli Rolls qui le premier a dégainé, qui ensuite a provoqué Denzo Diez, hein. Nicolas Bazir s'est retrouvé un peu obligé lui aussi d'attaquer, et ça a changé complètement la physionomie de la course, et ça a servi notamment Elise Cabéry, super sprinteuse, super jument, qui remporte le quintet aujourd'hui de Vichy. Voilà, beau succès. On va regarder encore une fois les images de cette fin de parcours là, a priori. Je vous ai un peu coupé, Laurent, désolé, je pensais qu'on vous rendait la main. On va regarder, vous allez le faire avec nous d'ailleurs, la ligne droite de ce quintet. Denzo Diez sollicité à la corde. Ah, il a fait du boulot aujourd'hui, il a fait une bonne course, Denzo Diez, une vraie course après deux parcours où il avait été disqualifié. Mais là, dès la ligne droite, on sent qu'Elise Cabéry est vraiment au-dessus. Regardez, elle pointe les oreilles, hein. elle a vraiment la course en main, elle a le dessus sur les autres, elle adore ça, de venir en une fois comme ça et passer tout le monde. Et elle va filer vers un net succès, Evita Perron se relance très bien pour aller chercher la deuxième place. Et Denzo Diez, troisième, voilà un tiercé, donc on va dire, de favori à l'issue de cette première course de ce qui était le quintet à Vichy. Retrouvez nos infos exclusives jusqu'au départ de la course gratuitement sur l'application Equidia et sur equidia.fr. Voilà, un beau succès d'Elise Cabéry. En effet, à tout à l'heure, Anthony. Donc, l'entraînement et la casaque Montulet à l'honneur, Serge Pelletier, puis l'élevage de Michel à la Denise qui s'impose dans ce quintet. Vous restez avec nous, bien sûr. On va aller à Nantes pour une nouvelle compétition. Les choix d'Olivier Thomas vont s'afficher en bas de l'écran dans quelques instants. On se tourne tout de suite vers cette nouvelle course de galopeurs à Nantes. Oui, mais c'est la plus belle, Laurent, aujourd'hui à Nantes en ce qui concerne le plat. Une course de niveau classe 1, donc avec les 3 ans. Je rappelle que Prometeo a été déclaré non partant. C'est maintenant le numéro 5, Merveillo, qui est le plus joué. Merveillo, que je vous invite à retrouver dans une course de référence. Lui qui vient d'aligner deux succès, tout simplement invaincu depuis qu'on lui met des œillères, qu'il porte de nouveau, bien sûr, aujourd'hui. Il défend les couleurs de Vertemer et Frère. Il s'est imposé normalement au Lion d'Angers. C'est le 4 avril, dans une course où on avait également Wildwood, hein, qui prenait la troisième place, et Redjeu, je crois qu'on retrouve de nouveau en lice aujourd'hui. Vous voyez que le succès était assez convaincant. Il y avait une longueur à l'arrivée entre Merveilleux et Skycutter, qui prenait la deuxième place. Skycutter, qui est un poulain entraîné par Johan Hughes et qui a une valeur de 41. Retrouvons tout de suite Stéphane pour des premières infos sur cette sixième. Bah justement, Maxime Bon, je posais la question de savoir, il a bien fait le Lion d'Angers, corde à gauche, si le parcours vallonné allait lui plaire. Il m'a dit, écoutez, ça ne sera pas une excuse du tout. Il nous avait dit déjà sur Equidia Racing que le cheval n'arrêtait pas de progresser. C'est un cheval qui est très très puissant, ce numéro 5 Merveilleux. Donc, stade numéro 1, on va vite le retrouver dans le groupe de tête. Et comme il est sur la montante, à l'image un petit peu des élèves de Christophe Ferland qui n'arrêtent pas de s'illustrer, Maxime Guillon est plutôt vraiment confiant en ce qui concerne ce numéro 5 Merveilleux pour qu'il répète sa plus récente sortie, donc le parcours de Nantes ne devrait pas le déranger. Très bien, nous sommes à 6 minutes du départ, un petit peu plus. On va vous proposer une interview, celle de Grégory Benoît, qui va vous parler du numéro 3 Redjeu, un poulain qui est entraîné par Yann Barbereau, qui a débuté sa carrière par une victoire à Machecoul avant de se classer 5e au Lion d'Angers, donc le 4 avril, dans la course remportée par Merveilleux. On vous retrouve avec encore un élève de Yann Barbereau, ça marche très fort pour vous, hein, Greg, cette année. C'est Redjeu, hein. Il était content, Yann Barbereau, après des débuts à Machecoul, de sa 5e place la fois dernière. Oui, en Angers, c'est un lot correct, il fait une très belle course, c'est pas moi qui l'ai monté. Il a une course parfaite, maintenant aujourd'hui, on a un numéro compliqué, le 7 sur 7. On verra ce que ça donne, j'en ai pas encore discuté avec Yann. C'est un choix qui aurait peut-être préféré une piste un petit peu plus souple. Elle est quand même elle est pas légère, la piste. Hein. Elle est bien. Elle est bien, ça lui dérangera pas, lui. Et vous voulez maintenant parler du numéro 7, Stéphane Wildwood. Justement, on reprend un petit peu, c'est peut-être la bonne ligne, hein, celle du Lion d'Angers. Merveilleux s'était imposé. Redjeu donc conclut à la 5e place, alors que c'était seulement son 2e parcours, il avait bien fini. Et Wildwood était 3e. On est quand même un petit peu malheureuse, moi je trouve, dans la phase finale. Et donc sachez que depuis cette tentative, la jument a encore progressé pour cette fille de Maxios. Et donc, ce numéro 7, Wildwood, si on voit une chance au numéro 5, Merveilleux, on est obligé de voir une chance par ricochet à ce numéro 7, Wildwood, qui devrait bien courir. Non. De la piste ne devrait pas la déranger, donc elle va courir en progrès. Maintenant, Merveilleux est plus avantagé au poids par rapport à Wildwood.
sur la course d'aujourd'hui par rapport à celle du Lyon d'Angers, parce qu'il rendait plus de poids à l'élève de Nicolas Clément. Et donc ce numéro 7 a progressé physiquement en ce qui concerne donc sa condition physique. Et elle devrait pouvoir faire aussi bien, en tout cas on l'espère, que sa plus récente sortie. 2,5 kg à l'avantage de Merveilleux hein, sur la dernière course, puisqu'il lui rendait 4 kg dernièrement, cette fois plus que 1,5 kg. Donc en théorie, une revanche n'est pas évidente. Alors dans le haut du tableau, on a un profil intéressant. Je pense que c'est le numéro 1, Sophie Katarina, qui est présentée par Francis Graffard. C'est la première fois que cette pouliche va courir pour Francis Graffard, elle qui était entraînée auparavant par Marcus Klug. Elle a couru deux fois, une première sortie à Hanovre qui s'était soldée par une deuxième place, et derrière elle a ouvert son palmarès sur la piste de Mülheim. On ne l'a pas revue depuis le 6 décembre. Mais attention, la Sophie Katarina, l'écurie est redoutable et peut-être est-elle capable d'un coup d'éclat aujourd'hui pour sa première sortie en France. On va évoquer avec nous le numéro, avec vous Stéphane, le numéro 2, Pearl Tree, qui vient d'ouvrir son palmarès ici même à Nantes. De bout en bout avec les œillères pour la première fois, donc il n'y aura pas l'effet de surprise. Et on se souvient des propos de Julien Guillauchon qui nous avait dit franchement ça lui a plu à Pearl Tree, à ce mâle de 3 ans. C'est un cheval qui est assez puissant, qui va tout le temps. Donc j'ai le sentiment que dans cette course, on va avoir deux chevaux qui vont vite se retrouver aux avant-postes, c'est le 2 Pearl Tree et le numéro 5 Merveilleux. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, qui va prendre ou pouvoir prendre la tête dans cette compétition, mais Julien nous avait dit c'est un cheval qui est vraiment sur la montante, et le fait d'avoir les œillères ça le canalise et ça lui permet d'être plus attentionné pendant le parcours. Et comme il est assez dur, c'est un sujet qui a gagné à Nantes, et ça risque d'être un gros atout pour lui hein. On l'a vu hein, en tout mer, c'est systématiquement le cas. À partir du moment où on a déjà foulé la piste nantaise, c'est un gros atout. Donc un cheval qui est sur la montante, un cheval qui est dur, qui va vite se retrouver aux avant-postes, qui monte certes de catégorie. Mais bon, voilà, ce numéro 2 Pearl Tree a quand même quelques atouts avant cette course. Succès qui a d'ailleurs été acquis hein, sur le parcours du jour, sur les 2400 mètres de Nantes. Et là, on retrouve le numéro 7, Whitewood, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Celui qui est par Maxios, qui avait remporté une course en septembre dernier à Divonne-les-Bains. Et par la suite, on l'a vu participer à des courses d'un bon niveau, notamment. Elle a été alignée dans le prix Maurice Caillot au début d'année pour sa rentrée. Ce jour-là, elle a été nettement dominée. Mais il y a des pertes intéressantes dans ce palmarès, notamment une troisième place dans une classe 2 l'an passé à Longchamp. Une deuxième place dans une classe 2 à Compiègne derrière Sweet Lady. Hein. Sweet Lady qui est une bonne pouliche entraînée par Francis Marfan, qui cette année a remporté notamment le prix de la Camargo avant de se classer quatrième du prix de la Grotte. On retrouve ici le numéro 5, Merveilleux, un petit peu, il y a 1,70 à l'ouverture, maintenant 2,30€, mais toujours nettement plus joué que les autres, ce Merveilleux. Voilà la pouliche dont je vous parlais un petit peu plus tôt, Sophie Katarina, puis de See the Moon, l'élevage allemand pour cette pouliche, donc qui reste sur une victoire, et qui n'a pas été revue en piste depuis pas loin de 5 mois. C'est intéressant de la juger dans ce lot. Je propose 16-15. Environ une minute avant le départ de la sixième dernière course plate du jour. On terminera ce programme nantais avec deux courses d'obstacles. Premier rendez-vous sur les balais, ensuite une course de steep. Voilà, Merveilleux est dans sa stalle. Tour de l'X de l'époque, Sophie Katarina. La cote baisse, 5,90€ maintenant. On appelle Pearl Tree, le numéro 2. Là encore, la cote baisse, hein, 4,70€. Évidemment, toutes ces cotes baissent puisque celle du favori remonte. Hudson Park, c'est le numéro 6. Alors, on va pas évoquer ce cheval, mais qui n'a pas de chance d'un point de vue théorique, hein, une valeur de 28,5. C'est très nettement inférieur à ses adversaires du jour. Ça dit pas, c'est une distance ou pas.
J'ai envie de faire un 2-3-4 ce matin. Parti pour le prix de la Magnolière, c'est la classe 1 du jour à Nantes, des 3 ans qui s'affrontent sur une distance de 2 400 mètres à parcourir. Départ en retrait du numéro 1 Sophie Katarina, en revanche mon départ à l'extérieur du numéro 3 Redjeu, qui se retrouve tout de suite aux commandes de l'épreuve aux côtés du numéro 2 Pearl Tree qui lui conteste l'avantage et qui garde d'ailleurs le meilleur Pearl Tree. Deuxième place donc pour Redjeu, une petite cassure pour retrouver ensuite celui qui est le favori, Merveilleux, numéro 5, qui est troisième dans son sillage, le 7 Wildwood. En avant-dernière position, la Sophie Katarina, et c'est le gros outsider Hudson Park qui perd la marche. Le rythme est très sélectif, sous l'impulsion de Poultry, Redjeu est deuxième, troisième place pour Merveilleux, numéro 5. Ensuite on retrouve Wildwood, le 7, Sophie Katarina, l'As, et toujours Hudson Park, le numéro 6, en dernière position. Les chevaux se dirigent vers la ligne d'en face. Et Maxime Guillon a décidé de décaler le favori pour progresser plus à l'extérieur. Merveilleux se rapproche des deux favoris. On sent sauter d'ailleurs le petit passage de route. Mais c'est toujours Poultry qui garde l'avantage. Dans son sillage, le 3 Redjeu. Et à son extérieur, donc le numéro 5 Merveilleux. Ensuite vient le numéro 7 Wildwood hein, qui devance le numéro 6 Hudson Park. Et par le jeu des relais, la Sophie Katarina est maintenant en dernière position. Et les chevaux s'approchent du tournant final. Long tournant ici à Nantes. Poultry a toujours le meilleur. À son extérieur, Merveilleux. En troisième position, le numéro 3, Redjeu. Ensuite vient Hudson Park, hein, qui devance le numéro 7, Wildwood. Quant à Sophie Katarina, elle est en sixième et dernière position. On est bientôt à mi-tournant final. Avec toujours Poultry, donc, qui a le meilleur. Merveilleux, le favori qui se rapproche semble-t-il facilement à son extérieur devant Redjeu qui patiente, troisième aux côtés du numéro 6 Hudson Park, ensuite Wildwood le numéro 7 et là Sophie Katarina. Les chevaux s'approchent comme ça de l'ultime ligne droite avec donc toujours Poultry qui a le meilleur à son extérieur, Merveilleux en troisième position, le numéro 3 Redjeu vient devant à l'extérieur Hudson Park et là Sophie Katarina qui progresse dans le sillage du numéro 7 Wildwood. Dans quelques instants l'ultime ligne droite avec le favori qui est maintenant lancé à l'extérieur par Maxime Guillon et Merveilleux prend l'avantage pour pénétrer dans l'ultime ligne droite, 300 mètres à parcourir. En deuxième position, Poultry va tenter de se relancer devant le numéro 7 Wildwood qui est troisième et qui devance pour l'instant le numéro 3 Redjeu. À l'extérieur on voit Sophie Katarina qui tente de refaire un petit peu de terrain et reste environ 200 mètres à parcourir avec pour l'instant à l'intérieur Wildwood qui prend l'avantage et Wildwood qui finalement va s'imposer facilement dans cette classe 1. Wildwood qui s'impose la deuxième place pour Merveilleux et la troisième place à distance pour le numéro 2 Poultry devant l'As Sophie Katarina. C'était la bonne ligne hein, celle du Lion d'Angers, mais cette fois-ci Wildwood a pris sa revanche sur le numéro 5 Merveilleux. Donc elle avait effectivement beaucoup progressé sur sa course du Lion d'Angers. Le 7 s'impose devant le 5. Ensuite on a le 2 Poultry donc qui est troisième et l'As Sophie Katarina qui est certainement une bonne note. Parce que c'était la seule pouliche qui faisait une rentrée. 7, 5, 2 et As pour cette sixième course. On rappellera que le 4 n'était pas là. Et Wildwood donc, qui renoue avec la victoire et qui confirme la forme hein, de l'écurie de Nicolas Clément. Qu'on a vu briller hier à Longchamp avec un poulain très intéressant, Fénelon qui a remporté le prix de Lavre. Et Wildwood donc, qui est resté sur cette troisième place au Lion d'Angers. Bien, cette fois fait mieux en prenant une revanche face à celui qui était le 2, As et 3 tout à l'heure pour de l'obstacle ici à Nantes. Voilà, succès donc de Wildwood et succès également d'Olivier Thomas hein, qui avait choisi ce numéro 7 en jeu simple et qui nous a également donné le couplet dans l'ordre. Décidément, vous êtes en forme. Hein, Nantes vous réussit très bien. On va voir comment ça continue à Vichy tout de suite. Il faut faire aussi bien à Vichy. J'aime beaucoup ce poulain, le numéro 3. Easterman qui devrait bien courir. Hein. Ces trois courses de début sont extrêmement bonnes. C'est un poulain qu'on estime beaucoup. Moi aussi, je l'aime bien. Ticket offensif, on va essayer de trouver le trio puisque avec le numéro 3, Easterman, il y a un incontournable. Hein. C'est le numéro 4, Igus qui sautonne. Ce sera le seul plaqué d'ailleurs au départ de la course. C'est de là donc en basse trio. Et puis cinq concurrents derrière pour essayer justement de trouver le trio, trouver les trois premiers. Très bien. Bah, merci Olivier. Puis juste un petit mot pour vous dire que dans le Quintet, il y a eu une enquête, mais ça a été maintenu. On va avoir des explications, je pense, avec Anthony tout de suite. Donc, on retrouve Anthony et Fred pour cette nouvelle course et on revient un instant sur le Quintet. Effectivement, Laurent, on va revenir sur le Quintet. Dans un premier temps, on va écouter les commissaires qui souhaitaient revenir sur les allures en fin de parcours d'Evita Perron, qui est arrivée deuxième. Pour information, vous pouvez revoir les images de la première course. Le numéro 15, arrivé deuxième,
n'a pas effectué plus de 7 foulées dans des allures autres que le trot régulier et a donc été maintenu dans son classement. Evita Perron maintenu. Deuxième maintenu, il n'y a pas eu d'enquête, c'était un flash hein, afin de communiquer pour le public, pour les commissaires donc, qui souhaitaient montrer ces images mais qui n'ont pas fait d'enquête. Et puis nous, on voulait revenir sur un point qui est en fait très important, c'est le départ. Il y a eu un petit moment de flottement, on l'a ressenti, enfin moi je l'ai ressenti aussi ici en tribune au moment du départ. On a cru qu'il y avait faux départ. Regardez bien Mathieu Abrivard et Gabi Gelormini au deuxième poteau à droite. Vous allez voir qu'ils vont marquer un vrai temps d'arrêt et écoutez également, on va entendre comme une sirène. On a entendu cette sonnerie. Regardez Mathieu Abrivard et Gabi Gelormini qui pendant quelques secondes là reprennent complètement leurs chevaux. C'est le plus flagrant, c'est pour Mathieu Abrivard qui pestait après la course, qui était un peu en colère parce qu'il estime qu'il a perdu peut-être la course en partie sur ça. Serge Pelletier nous disait également que lui avait cru à un faux départ qu'il avait repris, puis en voyant les autres avancer, il s'était décidé à avancer lui aussi. Mais on comprend mieux pourquoi il y avait un tel écart entre les chevaux du premier poteau et ceux des 25 mètres. Ouais, justement Anthony, je suis allé aux infos, j'ai discuté avec Starter ou Led Starter qui me disait que un officiel qui me disait qu'en fait ça a fait comme un sifflement, c'est dû à un problème électronique visiblement. Il y a un technicien là qui est parti pour voir, mais du coup il n'y a pas eu de. Il n'y avait rien au niveau du départ. Le départ était complètement valide, sauf que ça a fait un sifflement, un problème électronique apparemment. Ouais, donc au mauvais moment, enfin c'est ambigu quoi pour le. Voilà, exactement. Et du coup il y a quelques drivers qui se sont posés la question, mais du coup il y a un technicien qui est parti voir pour résoudre le problème au plus vite. Ok, et donc on voulait vous remontrer ça parce que c'est vrai que pour Evita Perron, Holly Rolls notamment, ça a été préjudiciable. Ça a été aussi un peu préjudiciable pour Elise Cabéry, mais il n'empêche qu'elle a réussi à revenir gagner. On a l'impression que ça a d'ailleurs été beaucoup plus marqué pour les drivers du deuxième poteau que pour ceux du premier qui n'ont pas eu l'air de se poser trop de questions, eux. En tout cas, ça a été un fait de course dans ce Quintet Plus qui a vu les favoris briller. On attaque la deuxième, on enchaîne. Une belle course d'ailleurs, une course réservée à des jeunes, toujours intéressant, d'autant qu'on va les retrouver dans la région lors des prochaines réunions avec quelques chevaux intéressants. Mathieu Abrivard est grand favori de cette course avec un poulain qui l'entraîne, Idus qui s'autonne. On commence avec Invan Jika de Gilme qui reste sur deux victoires. Je vais m'entraîner par Joël Després. Il faut faire attention avec elle en partant notamment, mais elle a montré un peu de qualité lors de ses deux derniers succès. Le numéro 2 pour l'écurie de Jean-Paul Gauvin, incontournable dans la région, c'est Illustre Jullery. Illustre Jullery qui reste sur deux bonnes performances, qui va monter un peu de catégorie aujourd'hui, ça va être intéressant de le situer ici. C'est quoi, c'est une distance Easterman, plein de qualité, entraîné par Jonathan Kwok. C'est David Becker qui le drive aujourd'hui. C'est un poulain qui a fait de bonnes courses déjà depuis ses débuts. Il a été remarqué dans des lots qui étaient assez forts à Lyon-la-Soie notamment. Il fait partie des bons chevaux, c'est certain, de la course. Voilà le grand favori, Idus qui s'autonne, qui vient de faire une sorte de semi-rentrée à Caen. Il a perdu beaucoup de temps en partant, il a refait énormément de terrain pour finir. Alors comment se comporte-t-il? Il est assez fluide, il n'est pas toujours très fluide dans sa façon de trotter, mais là ça se passait bien, oui. Il avait l'air particulièrement limpide dans sa façon de trotter, et à noter qu'il est plaqué aujourd'hui. C'est le seul plaqué de la course, donc ça attire également beaucoup d'argent. On poursuit avec ici Paris FJ, le 5. Pas mal depuis son début de carrière. Il vient de tenter sa chance à Vincennes. Le 7, Item Buissonnet, pour l'écurie de Benoît Rouert. Poulain régulier dans sa catégorie. C'est une distance, un cachet, j'ai même envie de mettre 8. Ils sont un vous voyez. Le 6-8, on met 3-6-8. Le 8, Ingrid. Rémi Després, entraîneur driver. On va céder, As-3-6-8. As-3-6-8. J'ai envie de tenter 6-8, c'est une distance. Il accélère là dans le tournant. Numéro 8 à l'extérieur pour Ingrid. Qui sont beaucoup trop haut. On est avec un départ auto-start, hein, il faut le rappeler. Souligner départ auto-start pour cette deuxième course, longue distance toutefois, donc on a quand même le temps de revenir. Mais départ auto-start, il est fixe le 10, Thierry Busset, un des entraîneurs que vous retrouverez régulièrement là, durant les réunions premium de Vichy. Le 11, Impérial OM. Sinon, phase 2, 5, 10, phase 2, 5, 10, 4.
Nicolas Delaroche, entraîneur driver, il n'a pas de gain encore ce poulain. Enfin cette pouliche d'ailleurs, c'est une pouliche Imperial OM et puis on conclut avec Yves Dubessy. Poulain qui est abandonné. Avec Philippe Gaillard qui lui aussi est l'un de ceux qui est présent très régulièrement dans les courses premium ici à Vichy. On a beaucoup de cotes élevées, il faut dire qu'il y a beaucoup d'engouement sur Husky Sauton, le poulain entraîné par Mathieu Abrivard. Husky Sauton, donc je le disais, qui dernièrement a fait une faute en début de parcours à Caen, mais qui ensuite a refait énormément de terrain pour finir. C'est sûrement un poulain qui n'a pas pu être exploité complètement à fond depuis ses débuts, parce qu'on voit qu'il a couru avec... avec pas mal d'intervalles à chaque fois. Il avait gagné à Châteaubriant au mois de novembre et ensuite on ne l'a pas revu jusqu'à février. De début février, on ne l'a pas revu jusqu'à fin avril. Donc c'est sûrement un poulain qui, de par son physique, j'imagine, a un peu embêté son entourage. Mais là, il était bien au hit et on rappelle qu'il est plaqué, c'est le seul plaqué de la course. Mathieu Abrivard nous en a dit quelques mots tout à l'heure, on l'écoute. Bah, c'est bien, il faut qu'il soit sage. C'est la première fois qu'il est plaqué Ouais, ça va l'aider. Merci Mathieu. C'est Mathieu Abrivard et surtout il était un peu énervé pour tout dire parce que c'était juste après le quintet et oui, c'est vrai que 7-4-5-1 ça l'a vraiment contrarié là, cette histoire de bruit là, de parasite sonore je dirais au moment du départ. Et puis il était surtout très pressé, il avait des hits à faire, enfin un hit à faire. Ouais, puis énervé, hein, c'est ça Fred. C'est sûr qu'il était énervé parce qu'il a perdu un terrain précieux quoi. Vous avez entendu qu'il était assez confiant, première fois plaqué donc. Et seul plaqué de la course. Exactement, seul plaqué de la course. Mathieu Abrivard lui. il demande si c'est 2008. Ah, il charrie un parce peu. Je sais pas s'il charrie parce qu'il a peut-être eu un doute en se demandant si c'était 2005 ou 2008. Parce qu'il lui montre l'autostar, il est toujours muni d'un bonnet fermé, hein, donc ça faut pas, c'est pas une nouveauté. Donc voilà, j'ai pas mal d'infos. Yvan Kadjil met une pouliche de classe, m'a dit Joël Després, c'est le numéro 1, elle vient de gagner deux fois. Après, il a un gros doute sur le départ autostar parce que c'est une pouliche nerveuse et il a peur qu'elle parte au galop. Donc voilà, mais sinon c'est une pouliche qui est intéressante. Et Jean-Paul Gauvin aime bien ce illustre Jules Ride numéro 2. Qui vient de bien faire à quelques reprises là et qui est un poulain d'avenir, m'a-t-il dit. Il a quelques poulains qui se valent un petit peu, qui ont très bien fait ces derniers temps des i. Et il est un peu de ce niveau-là et il m'a dit qu'il était compétitif aujourd'hui. Ok. Il y en a un qui est plaisant aussi, Fred, je pense que vous irez pas contre moi, c'est Easterman. Poulain de Jonathan Quoi, qu'on vient de le voir encore là à l'échauffement, c'est un joli poulain. Oui, et puis doué, hein. Il a affronté et terminé pas si loin de d'Inshot Jocelyn. Et bon, David Becker m'a dit que tout allait bien au hit, pas de problème, il posait pas de problème. Sa dernière course à Lyon était quand même assez bonne. Elle était bonne. Elle était bonne parce qu'il s'était retrouvé un peu loin. Et oui, voilà. Le gagnant est très plus bon. Plus battu peut-être également au sprint, tout ça. Ouais, il a fait à peu près la même ligne droite qu'Item Buissonnet qui était deuxième ce jour-là. Mais moi je trouve qu'il courait bien. C'est Indro Park qui gagnait, qui était au-dessus du lot. Un bon poulain entraîné par Ludovic Pelletier. On s'attendait à le voir deuxième au papier, mais c'est vrai que sa course était quand même bonne, hein, malgré cette troisième place. Et Item Buissonnet, justement, numéro 7, a ensuite recouru d'assez bonne manière à Vincennes après sa course de Lyon. Il terminait quatrième, il est resté en bonne forme, m'a dit Benoît Rouer. Et il va essayer de le driver dans la même optique que Lyon-Lassois, essayer de venir le faire finir, tu vois, venir en finissant. C'est un cheval qui a un bout vite, donc il est mis pareil que les dernières fois, donc une place est possible. Ouais, complètement, il fait partie des chevaux qui viennent en bon rang là quand on essaye de faire des pronostics. Voilà Easterman. C'est un fils de Doberman qui est un jeune étalon qui fait des jolis poulains, c'est le cas de ce Easterman. Confié à David Becker. Il est assez costaud aussi celui-ci. Hein. Item Buissonnet, fils de Very Nice Marceau. Ouais, il a du modèle. Ouais, il est puissant. Il est dans sa catégorie, hein. Il vient de terminer avec Easterman, donc ce sont des chevaux qui ont une chance. Reste à savoir si Husky Sauton est vraiment au-dessus d'eux ou pas. Quoi. C'est sûrement un poulain correct, hein. Husky Sauton, je pense que c'est plus son physique qui a dû faire qu'il a peu couru là, depuis son début de carrière que sa qualité. Il est troisième à Châteaubriant, il est tout près d'un poulain qui s'appelle Invictus Madiba. Ouais, voilà, il a vraiment de bonnes lignes. Hein. C'est ça qui ensuite a gagné. À Châteaubriant, il battait Isla. Donc c'est bien, hein. Il a vraiment beaucoup de bonnes lignes. J'ai une autre info concernant Imbride, qui vient d'effectuer une rentrée qui était plutôt bonne d'ailleurs dans cette course de la soie.
Rémi Desprez me disait qu'il n'était pas forcément. Bon, il avait déjà du boulot lors de sa rentrée, mais ça lui a fait du bien. Il est monté là-dessus. C'est un poulain qu'il aime bien. Donc une place est possible selon lui. Ok. Imminent au centre pour le favori avec un bonnet bleu hein, des œillères donc pour Auguste Sauton. 1,50 pour Mathieu Abrivard. C'est un hippodrome qu'il affectionne, Mathieu Abrivard. Hein. C'est pas la péripétie du quintet, je pense qu'il fera changer d'avis. Il aime bien emmener ses chevaux en tout cas courir ici. Pas mal de réussite. Il emmène des jeunes notamment un petit peu déclassés. Ah, c'est cette cas d'Auguste Sauton. Favori de cette course réservée aux 3 ans. Masqué pour l'instant derrière l'autostart, puisqu'il sautonne. L'autostart qui est en train d'accélérer. Il ne cherche pas à partir vite. Le favori repris. On va partir beaucoup plus fort avec Innis Fade Creek, le numéro 6. Ici Paris FG également est bien parti, tout comme Illustre Jullerie, côté corde lancé par Jean-Paul Gauvin. Illustre Jullerie. Ici Paris FJ et Innis Fade Creek qui est repris. Dans le dos des premiers, il y a Easterman. Il y a également Item Buissonnet qui vient prendre tout de suite une bonne place. Quant au favori, il s'est laissé glisser à l'arrière pour l'instant. Plutôt donc dans la deuxième partie du peloton, mais rien de trop grave sur cette longue distance. Illustre Jullerie, ici Paris FJ aux deux premières places pour aborder bientôt la ligne d'en face pour la première fois. Easterman est dans leur dos troisième. Aux fautes du 5, ici Paris FJ, l'un des deux animateurs qui fait une faute, qui perd du temps. Qui laisse donc seul en tête désormais Illustre Jullerie et Jean-Paul Gauvin. Easterman est dans son dos. Ici Paris FJ va revenir en progression à la hauteur de l'animateur. Tout près il y a Item Buissonnet. Innis Fail Creek qui est en train d'accélérer à l'extérieur. Quant au favori, il est toujours préservé pour le moment. Mathieu Abrivard qui décide donc d'attendre avec le grand favori. Nouvelle accélération d'ici Paris FJ qui finalement s'installe en tête. Illustre Jullerie est deuxième. Easterman troisième. Devant Innis Fade Creek qui a pu venir chercher la corde. À son extérieur, il y a Inbride. Un peu plus loin, Item Buissonnet qui précède encore Idéfix. Ivanka de Gilm venant à l'arrière, juste devant le favori. Le favori Guski Sauton, donc il patiente toujours assez loin de la tête. Une droite des tribunes. On a beaucoup repris. Est-ce qu'on va attaquer du coup avec notamment le grand favori? Pas pour le moment, hein. Un peu allant, Guski Sauton à l'arrière. Mathieu Abrivard essaye de le décontracter, mais il ne va plus avoir le choix. Là, il va passer à l'attaque. Son cheval commençait à brancher un petit peu Guski Sauton. Et du coup, on va assister à l'accélération du grand favori. Guski Sauton qui vient vite, et qui va essayer de surprendre les animateurs. Ici, Paris FJ est toujours en tête. Guski Sauton qui s'est rapproché, qui vient de plus en plus vite, avec dans le dos des premiers Easterman, Illustre Jullerie. Et un peu plus loin, Innis Fade Creek. Avant d'aborder le tournant, Mathieu Abrivard demande un effort assez important à son poulain, qui va réussir à passer en tête. On n'a donc pas à avoir à faire d'extérieur là dans ce tournant, puisqu'il a pu prendre tête et corde. Guski Sauton, Easterman va devoir trotter à son extérieur désormais. Il est en train d'accélérer, Easterman. Easterman qui vient à la hauteur de Guski Sauton. Les deux favoris qui se retrouvent aux deux premières places dans la ligne d'en face. Ici, Paris FJ est dans leur dos, avec tout près également Inbride. Illustre Jullerie venant ensuite avec Item Buissonnet, qui ne fait pas d'effort, qui attend avec un peu de ressources. Il précède Ivan Chica de Gilm et Innis Fade Creek qui est côté corde. Ligne d'en face, les deux favoris en tête. Avec toujours le grand favori tête et corde, Guski Sauton, et à sa hauteur, ou presque, Easterman, le deuxième favori de la course. Ici, Paris FJ reste bien au contact, il est troisième, devant Inbride, Item Buissonnet, Ivan K de Gilm, les autres sont battus, tournant final. Avec le favori qui prend du mordant, là, plus on avance dans la course, plus il a de gaz, semble-t-il, le favori. Il faut bien négocier ce dernier tournant. Il a pour l'instant la mesure sur Easterman qui reste à sa hauteur. En troisième position, il y a ici Paris FJ et voici là Item Buissonnet qui est lancé à son tour. Avec à l'entrée de la ligne droite, Guski Sauton qui va tenter de repartir. Avec à son extérieur Easterman et surtout Item Buissonnet qui refait beaucoup de terrain. Guski Sauton qui tente de garder le meilleur. Easterman qui est accrocheur, qui est toujours là. Item Buissonnet qui refait du terrain, tout comme Ivan K de Gilm à l'extérieur qui finit très fort. On est à 200 mètres du poteau avec Mathieu Abrivard qui tente de garder l'avantage avec Guski Sauton. Mais Ivan K de Gilm refait beaucoup de terrain. Guski Sauton face à Ivan K de Gilm. Guski Sauton qui tente de résister à Ivan K de Gilm. Victoire certainement du favori. Mais de peu hein, pour Guski Sauton, le numéro 4. Ivan K de Gilm a très bien fini à l'extérieur. Easterman est troisième. Et ensuite, c'est à déterminer pour la quatrième place.
Ah, c'est assez pointu hein, pour la victoire. Vous pensez que le favori a gagné, Anthony va revoir ça. C'est pas sûr. Hein. Bah, je l'ai pensé en direct, je le pense toujours, mais ouais, ça 4 passes rien, à la photo, et ensuite 3 et 8 Easterman et Imbrida, je crois, 4e. Ouais, devant Item Bussonnet, 5e, le numéro 6. Exact, c'est ça. Photo pointue, As 4, 4 et As, le 3, en effet, Imbrida, ensuite 4e, devant Item Bussonnet. Ouais, j'étais à l'œil nu parce qu'ici, on est donc dans les tribunes en face du poteau. Et à l'œil nu, Fred, j'ai vu le favori gagner, mais il n'y a pas grand chose. On peut, enfin, je peux me tromper, c'est certain. On va attendre l'analyse de la photo. Il a sûrement tiré un peu. Hein. Ouais, il a gagné puisqu'il se tonne. Ça va permettre à ses nombreux preneurs de souffler. On annonce que le 4 a gagné. Il n'y a pas grand-chose, mais il a résisté du minimum donc à Ivanka de Gilm. Easterman court bien. Il a dû faire l'extérieur favori. Il est là. Il est troisième à une longueur. Et c'est donc celui qui était de loin le plus joué qui s'impose. Et voilà la photo d'ailleurs, il y a un nez hein, pour la corde, pour Iguski Sauton et Mathieu Abrivard. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose, mais le favori a gagné dans cette épreuve, la Kazakh Abrivard. Donc Mathieu Abrivard à l'honneur et l'élevage de l'écurie de Sauton. On poursuit avec une course obstacle maintenant sur l'hippodrome de Nantes. C'est une épreuve de haies. On va retrouver les participants, puis vous allez retrouver aussi les choix d'Olivier en bas de votre écran dans quelques instants. Première course d'obstacle du jour, le prix Claude Rouget, une épreuve qui s'adresse à des 3 ans, course dans laquelle vous voyez le 6 état-major a été déclaré non partant. Et nous avons un grandissime favori et logique favori, c'est Monacoville qu'on propose de regarder tout de suite dans une course de référence. Alors pourquoi logique favori? Parce que le cheval a débuté en obstacle à Nantes le 10 avril et ce jour-là, il a gagné vraiment avec beaucoup de facilité. Il y avait 17 longueurs à l'arrivée entre lui et Lordex qui se classait deuxième. Lordex qu'il retrouve aujourd'hui. On avait également Magic Marvel qui était quatrième et Rosalie sixième. Vous voyez que le cheval là va se détacher. Il était associé ce jour-là à Yann Courmont. Aujourd'hui, Félix de Gilles est sur son dos. Confirmation est logiquement attendue pour ce cheval. Le terrain était bon souple, donc les conditions sont vraiment... très proche de celle du joueur. Vous avez vu que Lordex en retrait a terminé tout à fait convenablement son parcours. Je n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a un changement de montant en ce qui concerne le numéro 4 Magic Marvel, hein, puisque Geoffrey Ray remplace Johnny Charon. Mais on continue de parler de celui qui est le grand favori, Stéphane à Monacoville. On vient de voir son succès très convaincant le 10 avril, code qui est logiquement passé, 8 pour 10. Oui, tout à fait, il devrait pouvoir répéter. Bien sûr, il va porter 70 kg dans cette course. Il était toujours un petit peu agité au rond de présentation, mais c'était déjà le cas pour ses débuts. Voilà, c'est un cheval qui est estimé par Donatien sur votre beau regard. Le cheval devrait pouvoir confirmer. Alors, est-ce que les autres, hein, notamment Lordex qui a fini deuxième ou Magic Marvel qui a fini quatrième, ont plus progressé que lui? Il y a eu 23 jours entre cette course et celle d'aujourd'hui. En tout cas, Lordex, moi je me souviens que Marc-Olivier Bellé m'a dit que c'est un cheval de qualité qui va s'améliorer sur cette sortie. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour désormais devancer ou titiller l'élève de Donatien sur d'autres beaux regards? Mais c'était les propos de Marc-Olivier Bellé sur Equidia Racing, que c'était une course qui avait lieu à Nantes, mais qui n'était pas sur Equidia, mais sur Equidia Racing, dans des conditions du direct. On avait des informations et donc Lordex a bien fini. Et puis bien sûr Geoffrey Ray va monter le 4 Magic Marvel. Tout le monde se joint à moi bien sûr pour souhaiter un prompt rétablissement à Johnny Charon qui a fait une lourde chute à Auteuil et par là même bien sûr. On pense à tous ceux qui sont alités, qui sont passionnés des courses, qui ne peuvent pas exercer leur métier et leur passion comme nous. Et donc on pense très fort oui, donc notamment à Johnny. On lui passe le bonjour. Magic Marvel a bien couru ce jour-là. Il a fini 4e. Le numéro 4, entraînant Philippe Pelletier, qui a gagné 2 courses là, ce week-end, qui est en forme. Alors, il devrait faire sa course une nouvelle fois, celui-là, au 4 Magic Marvel, avec le groupe associé cette fois-ci à Geoffrey Ray. Bon, les gars, j'ai plus envie, là, je vais arrêter parce que... Alors, on va regarder ensemble à EDC, on parlera un petit peu des chevaux qui débutent en obstacle, avec un saut moyen du favori pour franchir la EDC. Alors, on regarde de nouveau. On dit qu'a priori, le 2 Rhum Bleu ne sera pas la EDC. Je vous dirai demain, normalement, quand je retourne dans la salle de sport, faire un peu de ménage. Côté la EDC.
pour le cas pour cette écurie, celle de Yannick Fouin. Alors oui, je voulais qu'on évoque certains concurrents qui débutent en obstacle. Donc il y a tout en bas Odiago, hein, qui est présenté par Arnaud Chaillé, la cote est relativement basse. 7,5 contre 1, bon ça peut se comprendre parce que c'est une écurie qui est respectée des barrières, mais je suis interpellé Stéphane par la cote du numéro 7, Steel River, hein, pour sa première sortie. Autre atout de Joël Bonnard avec le numéro 3, Lord Ex. Merci à tous. Merci tout le monde. À demain. Bonne soirée.